It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fly than this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Gave that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip. Drip, drip. Pull up and I'm loading the clip. Bon, vous allez commencer à écouter parce que je vais insulter des putains de grand-mères. Là, vous m'avez cassé les couilles, là. Déjà, il y a Pepito, il se fait péter. On n'est pas au courant. Il a écrit à l'aide, lui, il a fait les choses. On se fait péter par des ABZ. Ça fait une semaine, on voit pas d'ABZ. Là, ils viennent de m'envoyer une photo en mode « Ah, regarde, on est nombreux sur Vinewood, on vous baise, non, non. » Vagola, prochaine cible. Ils y sont, là. Oui, je sais qu'ils y sont. Donc, ouais, là, non, oui, ils, merci. Ils me font bien rire. Là, ils m'envoient plein de messages, là. Ce gros épicier de merde, là, Lil K, qui bosse au TD. De chez eux, c'est pour ça que je suis leur cible, je pense. Hein. Voilà, mieux, donc hein. Là, je te le dis, Vinewood, là, vous commencez à me casser les couilles parce que vous voulez revendiquer un terrain, mais vous faites n'importe quoi, vous y allez avec des clubs, avec des trucs de merde. Donc déjà, n'y allez pas tout seul, arrêtez d'être con, quand vous vendez à plusieurs. On vendait pas, on passait juste... Et là, Pepito, on n'a pas été au courant, parce que moi, j'avais 3 ABZ devant moi. 3 ABZ devant moi, en plus, qui faisaient les malins, j'ai failli les rafales, il y avait les poyos, donc je l'ai pas fait. Je les ai pas pris parce que je me dis, y a rien, juste je les tège. Eux, au final, ils avaient Pepito. Donc, si j'avais eu les 3, je pense que la leçon, le message serait bien passé. Donc, bref, la prochaine fois, ayez une bonne com, en fait. Parce que là, si on commence à communiquer comme des handicapés, comme ça, on va pas aller loin. C'est ma faute. Pardon. Ce soir, minuit, on va faire un rodéo en moto avec les gens de la Colina, là. Là, il y a des mecs qui sont installés dans le quartier là-bas. Là. On avait entendu parler qu'il y avait une petite équipe qui commençait à grandir, là, la Salvastrucha, là. Un peu plus haut, là je crois qu'ils sont là, et il y a Barrio Jesse Ocho, là je sais pas si vous les avez vus, hier, qui sont venus se présenter, qui sont les grands des Guerto. Donc eux là, pareil, on va les inviter, on va faire un rodéo à minuit, avec des motos, des quads, etc. En attendant, là je vais me vénère parce que je sens on va pas assurer sur ça. Les Road Knights là, ils ont créé quelque chose, je vais vous envoyer la photo dans le groupe de la Puente, ils ont créé quelque chose dans lequel c'est une sorte de compétition pour mettre à l'épreuve un peu les gangsters. Pour voir qui sont les plus efficaces. Avec qui ils vont pouvoir bien bosser. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à vous envoyer la photo là. Vous l'avez reçu dans le groupe ou pas? Non. Pourquoi j'arrive pas à l'envoyer là? Ah c'est bon. Ah, c'est bon. Là, donc là regardez ce tableau là en même temps que je vous parle. Donc en fait j'ai un classement. Chaque jour il faut faire le... Ah ouais désolé j'ai envoyé plusieurs fois du coup. Il faut marquer le plus de points jusqu'à dimanche. Donc de aujourd'hui jusqu'à dimanche, ces trucs-là, ça s'arrête à 1h du matin. Donc, les vols de sac, 0,25 points, vous pouvez faire jusqu'à 3 points par jour. Donc ça veut dire que vous pouvez en voler jusqu'à 4 × 3, 22. Ok ? Braquage de conteneurs, pareil, le même nombre. Bijouterie, vous pouvez, flic à train, vous pouvez en faire un par jour. Il faut envoyer les preuves photos. Hein. Ça veut dire braquage de conteneurs. Pareil, il faut envoyer les preuves photos que vous êtes en train de le faire. Si on fait une flica, il faut envoyer une preuve qu'on est en train de le faire. Braquage simple, type U-Tool, etc. Vous pouvez en faire 2 par jour. Superette, 2 par jour aussi. Action spéciale, du coup, je ne sais pas c'est quoi. Je leur ai demandé, ils m'ont pas répondu. Les brawls, vous savez ce que c'est. Tag, quartier adverse, vous prenez une photo pour en faire 2 par jour. Action spéciale jour, c'est une banque ou une bijouterie, je pense. Hein. Non, c'est pas ça. Action du jour, attends, ils ont écrit. Pointé et Black D, pensez à faire une conve avec vos petits et moi. Qu'est-ce qu'il raconte? Le premier gang qui brawl un flic du Nord et m'envoie la photo de ce fumier au sol gagne le point du jour. Voilà. Donc là, vous savez quoi faire. C'est le premier qui fait ça. Donc déjà là, ça va faire 5 points gratos. Donc là, je veux que pendant que là, on va... Moi, j'ai un truc à faire là. Je vais prendre une petite équipe avec moi. Pendant qu'on fait ça, vous n'avez pas un seul moment où vous devez dormir ou faire quoi que ce soit. Là, je veux que vous alliez voler des sacs, des conteneurs. Les sacs, en vrai, c'est pas le plus rentable. Je pense... On va aller faire une flica ce soir ou un train, un des deux. Les braquages simples, là, je veux déjà deux braquages, là, deux personnes qui vont le faire. Super Ed, pareil, je veux plus tard dans la soirée deux personnes qui vont le faire. Des braquages. Ok, perfecto. Je veux. Lequel tu t'occupes? Parce qu'il y en a plusieurs braquages. Les braquages simples. Braquages simples. Ok. Marine. Bah, vous en faites deux, Quetzal et Choupété, vous essayez d'en faire deux sans vous faire attraper. Ensuite, Super Ed, vous ferez ça plus tard dans la soirée. L'action spéciale du jour, là, je veux une équipe de 4 là, qui prend une voiture, qui monte, qui va me tabasser un flic du Nord. Ok? Faites des photos quand vous êtes en train de braquer. Quetzal, il prend la photo de Choupété en train de braquer, ok?
Yes. Et vous me les envoyez. Et dès que vous me les avez envoyés, c'est comptabilisé. Ensuite, tag quartier adverse, ceux qui ont rien à faire là, qui seront pas dans des équipes, vous allez me taguer des quartiers avec écrit pointé, ok. Et le truc qui rapporte le plus de points, c'est un son clash sur un gang adverse, 6 points pour la semaine et pour le meilleur son, 4 points. C'est toi qui s'occupe du son. Bon, je fais pas de musique moi. Vas-y, viens, on fait un son, on fait un featuring. Je rigole, en vrai, je l'ai déjà fait en plus le son. C'est vrai. Du coup, ouais, c'est. Fais écouter. Après. Et après là, une fois que vous avez terminé tout ça, que moi j'ai terminé ce que je dois faire, je vais aller on va aller faire une flica. C'est qui derrière là? Tu veux quoi toi? C'est moi. Ok. Moi, là il y a une équipe qui va venir avec moi en parallèle là. Il me faut 3 personnes, je pense Juan il va venir avec moi et 2 autres. Armé ou pas? Armé, on va aller faire... Bien, en fait il y a quelqu'un qui m'a proposé hier de se marier avec sa sœur, je sais pas quoi. Je lui ai dit non, je me suis foutu de sa gueule et tout. Il m'a dit je rigole pas, je te donne 50 000 $. Je lui ai dit ok. Je lui ai dit ok, sauf que le problème c'est que moi jamais de ma vie je me marie. Hein. Donc, du coup, on prend les 50 000 et on le braque. On va aller braquer le truc et bref, on va faire un plan machiavélique. Je viens. On va gagner 50 000 devenir aussi, c'est une place. Eh ben, qui a dit qui était chaud là, Loca, Pepito, KB? Si. Talon. Non, c'est Talon qui a dit. Ouais. Moi, je suis chaud, il y a de la place. Vas-y, je vais prendre Talon parce qu'à chaque fois, Loca, t'es sur les gros trucs. On va faire le bâtard, là, on va faire un peu tourner les équipes. Voilà, après, on va aller faire la flica ou le train, ok? Donc, en attendant, là, regardez. Donc, l'équipe Talon, Pepito, Juan, c'est bon. Quetzal, Chupete, c'est carré. La Flopa, KB, Chila, Loca, vous allez me faire. Vous allez me tabasser les trucs dans le nord, ok? Très bien. Vago, il reste qui là? Il reste. Vinewood, écoute. Vivi, Vago. Ouais, mais Vinewood, là, on n'a pas le temps, là. Quand il est fini les braquages, oui, ça va être rapide. Vivi, Vago. Vinewood, faut qu'on y aille. Juan. Non, ça change rien. Attendez, moi, il y a un truc à dire. Avant toute chose, c'est pas terminé. Avant toute chose, là, on va aller tous sur Vinewood. On va y aller tous ensemble, là. Ok? Yes. Oh oui, oui. Voilà, tous ensemble, on va pas forcément sortir des armes. Là, je pense que ça va plus se battre ou je ne sais quoi. Je sais pas comment ça se passe. Ah non, je t'assure qu'ils sont full armés. Hein. On va voir. Ils on sont va tous voir. Armés, prêts à tirer. On va voir comment ça va se faire. Mais là, déjà, sortez tous des pétards et tous ceux qui en ont. Et juste Vago et Vivi, là, une fois qu'on aura fait le truc de Vinewood, vous allez aller taguer dans les quartiers adverses et faire superette ou ce genre de choses. Ok? Vas-y. Il faut que je m'occupe des transacts du jour, moi aussi. Hein, j'ai ça aussi à faire. Juan, est-ce que tu peux récupérer mon arme ou pas? Juan ou Beridji? C'est quoi ton arme? C'est un Beretta? Vas-y, viens. C'est un Beretta et. Et t'avais combien de dollars? 24 munitions. Dollars, j'avais 6000 et quelques, je me rappelle plus. T'étais dans les 6000 ou dans les 5000? Bientôt 6000? Dans les 6000, dans les 6000. Non, non, dans les 6000, 6000 et quelques. Bah, je te redonne 6000 piles, parce que je sais pas c'était combien. Je t'ai rendu ton Beretta. De toute façon, t'es pas à quelques dollars près, je pense. Mais quoi, tu penses que j'ai jamais récupéré ma coche? Si, tu vas la récupérer, tu vois. Il faut que je la redonne, mais ta voiture... J'ai pas de tag, bah je sais pas... Je crois que j'en ai peut-être dans mon... On va aller chercher mon despi, Attendez, vous êtes personne qui vous ai même pas dit mon truc. Mais non, mais sérieux, pourquoi tout le monde est parti? Viens le dire devant. De quoi que si... Oh! Arrêtez de partir! Attendez, on vous a jamais dit de partir, là. Ben, Chupete et Kiket sont déjà partis, hein. Tout seul. Mais attends! Attends, il veut tout casser. Pourquoi il y a vous? Eh! Beridji! Quoi? Elle est où la roue? La roue? Ouais, elle est plus là la roue. Elle est plus là ce matin. Mais toi, faut aller faire foutre. Attends, c'est toi, tu as enlevé la roue? Si. Allô? Bah oui, c'est moi. Tu veux qu'on laisse une roue dans le quartier là comme ça? Mais va te faire enculer, on a été la voler hier! Comment ça, on a volé une roue? Bah oui, on a volé la roue avec Tazy hier! Bah tu l'as pas vu hier. Mais non, mais comment ça t'as volé une roue? Tu l'as volé comment? Bah on l'a mis sur le toit du 4x4 et on l'a mis pas... ici. Non mais va te faire foutre. Mais non t'as... Mais non mais Brigitte. Juan, s'il te plaît. Il est volé là, on a volé la roue, on aurait eu des problèmes avec les pollos. Je vais t'insulter Juan. Mais t'es le réfé, je vais t'insulter. Mais tu sais qu'il est trop dégoûté là Brigitte. Oui, en bah, vrai, on c'est l'âme de la pointe, ça. C'est on ira la revoler, on ira la revoler. Bah oui, vas-y, va prendre ton Dorado là, comme ça, on a une coachée. Tu veux pas qu'on vole un autre quartier par hasard? Moi j'ai pas d'arma par contre. Ok, et c'est pas grave. Okay. Moi j'ai un Glock, ça craint pas que j'ai avec un Glock. Non, ça craint pas. Ramenez Quetzal et Keket là, s'il vous plaît. Enfin, Quetzal et. Ils sont là. Et tu pètes le Keket. Ils ont baisé la roue, je suis trop dégoûté. Ils sont pas Quetzal et Keket. Vas-y, moi je vais prendre la sentinelle. Pourquoi tu veux en marron toi? On est bleu, je te prends les bleus. Oh les gars là!
Avant de faire des locations, faut prévenir le proprio, hein, les gars. Mais bouge-moi ta mère de là, tu vas pas. Vas-y, casse-toi là, casse-toi là, cassez-vous les 6 blocs là, je suis pas là pour vous là. Je suis là pour la Chine là, vas-y, cassez-vous là, l'Afrique. Laissez-le-moi là, laissez-le-moi là, je m'occupe des. Je m'occupe du Japon, après je m'occupe de vous là, t'inquiète pas. Tirez-vous, la Chine, la votre guerre, vous la ferez après. Attends, tu parles à qui là? Eh, les gars, vous êtes à Vanoud, hein. Vous êtes au courant quand même, les hauts blocs, hein. Vous êtes au courant de ce qui se passe ici, hein. Non, non, on aura discuté un peu. Ouais, mais en fait, tu vois, vous êtes les bienvenus, les gars. Y a pas de souci. Par contre, les ABZ, c'est pas chez eux, tu vois. Oh, le suceur. Non, je suis pas un suceur, hein. Ils ont compris, tu vois. Ils sont ailleurs. Mais toi, t'es pas le bienvenu ici. Donc, si tu fais un rendez-vous, est-ce qu'il va nous rendre? Arrête de croire, c'est chez toi, cousin. Je viens de gifler Pépito. Il y a deux, il y a deux centimètres. Viens, on l'applaudit. Les gars, je crois que je vais devoir éteindre cet épicier. Je crois que je vais devoir éteindre cet épicier. Hein. Les gars, j'ai une petite annonce à vous faire. Sachez que Lil K, il bosse dans un LTD, il vend des chips et des canettes. Ils sont venus m'acheter des trucs, t'inquiète pas pour toi. Ah, tranquillo, Apu, tranquillo. C'est bien, c'est bien. Allez, circule de là, circule-moi ton bonheur d'ici là. Je parle avec qui, petit fils de pute? Je parle avec toi là, tu crois que je parle à qui? Tu crois que je parle à qui, toi? Frappez pas les afros là. Viens, toi, viens, viens. Oh, Bones, il a sorti la masse. Il est fou. Bones, il veut tuer là. On est moins. Tu me peines. Ouais, Bones, comment il se fait niquer? 150, on est deux, fils de pute. Ouais. Vous êtes un milliard de Chinois. Vous êtes un milliard de Chinois, on vous dit rien, vous. Hein, tu nous ramènes le Covid, on t'a rien dit. Viens. Tu l'entends? Tu m'as arnaqué avec ton iPhone 13 là? Hein? T'as rien dit? Tiens! Arrête-toi avec ton gros slim là! Craquette de con, va! Bon, allez, Chirac, allez, Chirac! Allez, Jacques, tu m'as saoulé! Viens là! Tu portes le nom de la ville maudite? Il roule une putain! Comment ça se tue, Chirac? Tiens! Aide-moi là, King Von, il me frappe! Touche pas le grand toi! Comment ça? Tiens, Irving, il roule. Irving! Tiens, ta mère, toi! Quoi, viens! Tiens, toi! Oh, non, j'allais dire, viens dans une rue, mais. Place ta mère! Ah! Laissez-les là, ils ont rien fait là! Ah! Il est où le gars du le lecteur de Webtoon là, j'ai attrapé toi aussi là. Ah les bâtards. Niquez-les. Ah c'est bon là, ça y est, ça y est. Arrêtez. Tu veux des Webtoon toi, hein? Je m'occupe des fantômes, tout va bien se passer. C'est le bordel. Oh, il avance. Gardez la meuf là, elle est fan de moi. C'est pas une meuf. Lâche-moi, j'ai foutu la merde. Eh ouais, les ABZ là, faut rester au Japon les gars, faut rester dans les mangas, lâchez pas One Piece les gars. Lâchez pas le One Piece les gars. Ah, on veut pas vraiment que tu floppes toi. Tenez. Je vais te faire maigrir toi. Toi, je vais te faire maigrir toi. Numéro 34 le volume de sa mère. Ah, perds du poids. Toi la chinoise. Eh, ça se bat depuis 1 heure. Ça fait 1h20 ça se bat. Je te jure, ça fait 8. Et j'en peux plus là. Voilà. La bagarre elle est aussi longue. Tressé. Monsieur Levé, j'ai pas le frappé, t'as vu ou pas? T'as retenu hein? T'as retenu? Eh, on est en mode zombie ou quoi, bande de bâtards? T'as retenu là? Eh, mange 4 là. Ouais, c'est bon, les pointés là, ça va, Quetzal il tient depuis 1 heure, oh, c'est McGregor. Ah, ça y est, les pointés là, ça y est. Laissez-le ce gros lard là, Tiens, sale bâtard. Faut le faire courir lui, vous comprenez pas? Faites le courir lui. Petit baise-le. Allez, vas-y, venez là, pointez là, c'est bon. Attends, mais je comprends pas ce qu'il me raconte lui. De quoi? 1340, attends. Beridji, ils envoient les photos où là du brawl? T'inquiète, je les ai. Vas-y. Mara 18. Chantez plaisir, chantez. Toi t'es qui? Parce que toi t'es bien moche. C'est vrai que t'es pas moche. Oh non, il est trop la haine, c'est nous qui sommes écrasés. Nous c'est la pointée tressée. Beridji devant vous. On a pas mal entendu parler de vous depuis tout à l'heure. Ouais, je vois ça, attends. Vas-y, on va pas mettre le petit dans la merde. Serait dommage hein, que ce soit déjà fini. Hein. Non, vraiment, la cochée, c'est quelque chose. Hein. Bien rabaissé, etc. Les gens de Blibli. Ouais, circule, t'as raison, toi, circule, ouais.
Je suis con, va. Tu freines? Mets les gyros, tu vas voir. Mets les gyros, moi aussi, je vais mettre les miens. Ta grand-mère, va. Eh, c'est des malades, je sais pas, ils se croient où, là. Oh, tout à l'heure, là, on a suivi une petite descente, nous, de la Guardia. Pour moi, tire, c'était assez rapide, hein. Ok, ils ont fait quoi? Ils sont venus, gouverneur, Nolan, je sais pas quoi, etc. Plusieurs unités. Je suis arrivé, c'est parti au coup. Ah, ça, c'est un problème de la Colina, actuellement. Mais on va en parler après. Moi, déjà, du coup, je m'appelle Berigi, je suis le secondo de la Puente Tressée. Et derrière moi, vous avez Juan, Marcel Blanc, là, qui est le chefe. Il y a une petite question. Juan, le chefe. Vous êtes venu avec vos habitantes, là? Non, mais par contre, et toi, arrête. Me cherche pas trop, hein. C'est qui lui, là? C'est qui lui, avec son masque, là? Non, mais vraiment, le pequeño, il va falloir le calmer, hein. Et quel pequeño, Juan? La personne, celui avec la petite voix. Attends, lui, c'est le numéro 3, lui. Numéro 13, toi. C'est un de mes bras, ouais. Ça a pas changé. Ah, mais c'est un de tes bras, bientôt t'auras plus de bras, je te préviens. Et toi, t'auras plus de claquettes. Bon, Juan, on est sur les menaces, là. C'est comme on est venu discuter, se présenter, oui, tu le menaces. C'est bon, tu viens discuter, tu viens te présenter. Moi, quand il vient me présenter à des gens, il me moque pas des gens qui sont en face de moi. Après, s'il a pas aimé tes claquettes, c'est pas mon problème. Il a pas aimé tes claquettes. Ça reste ton problème à lui, t'inquiète. Bah, après, il a pas tort non plus. Tes claquettes, ils sont pas de trop fashion, quoi. Eh, hey, mes claquettes, je les ai cop. Je les ai eu à 90$ au lieu de 140 sur le Topic. Tu t'es clairement fait scam. Yo, mais c'est pas fait scam, c'est des Yeezy. Quoi, je dis tout le monde Barrio là. Oui, bon. Vas-y, ouais. T'es mexicain, Erwan, non? Ouais, c'est mexicain, par quoi? Ouais, c'est pour ça. Là. Ah, d'accord, ok. Non, on comprend mieux, non, on comprend mieux en vrai. Par contre, une petite question, comment ça fait que vous êtes autant là? Vous êtes venu avec vos habitantes? Non, c'est une autre équipe, ça, pourquoi? Ah, vous êtes vraiment beaucoup, là. C'est normal, on n'est pas assez, même à mon goût, en vrai, de base, mais vas-y, je vais rien dire. Bah, attendez, mais vous êtes 20, comment ça vous êtes pas assez à vous... On est 18. Mara, 18, on est 18. Non, on se balade à 18 tout le temps. Ah, y a pas de limite, hein, et du coup, pourquoi vous êtes de sortie, là? Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de vous. On a entendu, tout à l'heure, y a... Comment il s'appelait, le petit? Dante, défenseur central là, brésilien Dante qui est passé au barrio, il nous a dit, voilà, il s'est un peu présenté, etc. Il nous a parlé un peu des briques, du coup nous on lui a vendu quelques briques à 10$. Et voilà, il nous a donné, il a envoyé mon numéro à des gens, c'est aussi je vais le baiser sa grand-mère après, sans... je m'occupe après, mais il m'a dit oui, à la Puente, des personnes affluentes dans le barrio, etc. Ce serait bien si vous les voyez, machin. Du coup on s'est dit, bon, on va les voir, hein. Et là on tombe sur toi là, avec ton t-shirt horrible. Et Juan avec ses claquettes, mais bon. T'es toujours habillé comme moi. Après, mine de rien, bon, il y a un peu de respect. Un peu. Ouais, vaut mieux avant que je t'en mette une et que ça te remette les idées en place. Hein. Après, ça je suis pas sûr. Hein. Ouais, si, je pense. T'es c'est gros chevalier là. Non, ça, je suis pas sûr. Ta peau bien blanche là, je vais t'en mettre une. Tu vas garder la trace de la main comme un tatouage. Calme-toi là. Bon. Et du coup, vous venez d'où? Les menaces sont terminées ou pas, Biriji? C'est comment, Billie Jean? C'est comment? Tu vois, c'est bien un truc sur lequel faut pas rigoler, c'est bien ça, tu vois. Bah, répète ton nom. D'ailleurs, c'est quoi ton nom, toi? En parlant de ça? Lucho. Lucho, ok. Moi, c'est Berigi. Berry comme la lune. La strawberry. Berigi, ah, bah là, c'est plus clair. Tu vois, là, on comprend mieux. Exactement. Ok, toi, c'est Lucho. Ton secondo, là, c'est celui avec le pantalon noir, là, j'imagine. Bien vu. Comment tu sais? Je sais pas, parce qu'il est devant avec l'autre Kikou, là. Oh, Bekiji, détends-toi, là. Respecte le nom. Toi, je vais te remettre dans ton pyjama. Faire du reggaeton, toi, tu vois, j'ai trouvé ta mère, je vais te remettre dedans. Je vais mettre la tête dans sa chatte, je vais te remettre dans le ventre. Hein. Tu vas comprendre, toi. Ah, ok. Ça va être compliqué. Rest in peace. Qui a dit va la déterrer? Rest in peace. T'es un malade mental, toi. Ah, ouais, mais montre ma bite, hein, y'a quoi? Pourquoi tu regardes Lucho? T'as un complexe. Oh, le Mexicain, les petites bites. Eh, parle bien des Mexicains là. Comment ça, attends? Vous êtes pas des Mexicains, vous? Non. Gloria El Salvador. Heureusement. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, on m'a sorti la pire espèce. Et on a des Vietnamiens, on a des Sénégalais, on a tous les pires, mais on a le Salvador. Allez, parfait. Après, ils font comme les ours quand ils se défendent. Ils lèvent les bras. Allez, attends. Ce qu'a raconté. Dis-moi juste, me dis pas qu'il y a des mecs du Honduras ici là. Honduras, bien sûr. Oh là là, évidemment, Honduras, on représente l'Honduras. Putain. Et Lolo, directement, tu veux tout savoir. C'est quoi ton problème, Billie Jean, avec l'Honduras? Je te mens pas, le Honduras, c'est un peu le bas du panier, quoi. Tu vois, c'est un peu. Quel panier? Bah, le panier des Latinos. Amérique latine, on va pas se mentir, Mexique,
premier, Colombie, Bolivie, après Salvador, peut-être un peu plus loin, mais Honduras. Il raconte quoi lui? Honduras, c'est la Normandie c'est la Normandie de l'Amérique du Sud. Tu vois ce que je veux dire? Alors, ça pue sa mère. De base, on n'est pas venu pour un petit cours histoire géo, hein, au cas où. On te le dise. Après, c'est très respectable. Bon, dites-moi là, pourquoi vous êtes venu immigrer ici, la bande d'immigrés là? On est venu pour voir un peu qui habite dans le coin. Est-ce qu'il y a du monde? On tombe sur la club magnifique. Les autres coachés, le petit chien à droite. Ici, il y a de la plata, ça se voit. Ah, beaucoup de chien dans les environs. Il y a de la plata, effectivement. Regarde à droite là. Ouais, justement. À ta gauche. Ouais, à ta gauche, ouais. Perfecto. Bon, ouais, la Colina, je vous mens pas, c'est une bonne plaque tournante. Hein. On va se régaler. Par contre, comme j'ai dit à vos amis du DSI Ocho, du Barrio, là, un peu plus haut, nous, on partage pas. Hein. Ah, Oreo, ouais, je l'ai rencontré. Ouais, Oreo, là. Oui. Oreo, ah, tu m'as débloqué une nouvelle vanne. Perfecto. Oreo, oui. Oreo, ouais. Eh ben, lui, malheureusement, j'allais dire, je vais lui faire perdre des cheveux, il lui en reste pas beaucoup. Mais ouais, il y en a un peu pour tout le monde, mais moi, tant que tu marches pas sur mes plates-bandes, que tu viens pas prendre la part du gâteau qui nous est destiné, tout va bien. Hein. Donc on verra ça. Hein. Le gâteau, moi de base, je te dis, jamais j'ai tout en faim. C'est mon problème, malheureusement, je mange ça, mais j'ai tout en faim. C'est okay. On verra bien, mais le problème, c'est quoi? Nous, on est là, on arrive, machin, etc., mais il y a un problème sur la colline actuellement. C'est-à-dire? La guérilla se balade dans tous les champs, dans toutes les ruelles. Si tu fais pas bien ton travail, j'ai l'impression. Je vois ça, vous avez été bien accueillis. Après, moi, je vais pas te mentir, hein. Je contrôle toute la colline. Après, c'est un vaste terrain. C'est-à-dire que nous, apparemment, ils ont vu vos gueules, ils se sont dit, oh, ça va aller tranquille. Mais là, ça fait quelques jours que c'est une zone de non-droit ici. Hein. Ils passent pas ici. Hein. Ils passent pas ici maintenant. On a bien vu ça, à l'instant. Dès qu'il se passe quelque chose, ils viennent en équipe. Hein. Donc je pense qu'il va falloir remédier à ça assez rapidement. Les gens qui se baladent en équipe, c'est des grosses salopes en vrai. Je sais pas, moi j'aime pas trop. Mais pourquoi tu... pourquoi tu tires dessus là du coup? Bah, je sais pas moi, je vois vous êtes à plusieurs et si, tout. Okay. Ah ouais, mon hermano, bah oui. Ok, non, moi je pense qu'il va falloir rapidement qu'on trouve une solution à ça. Parce que les Poyos, ils sont comme chez eux ici. Hein. Et j'en ai parlé à d'autres, c'est pareil à Englewood, c'est pareil à La Mesa, c'est pareil partout. Hein. Donc il va falloir qu'on réfléchisse à quelque chose. Hein. Là, il y a des moments où il faut... Ça t'arrive des fois? Bah écoute, pas vraiment. J'avoue que je suis pas là-dedans à la base, moi je suis un homme d'action. Mais tu connais, hein, parfois il faut poser son cerveau. Hein. C'est qui un peu la tête pensante, vraiment le numéro uno chez vous, c'est qui? C'est bah, Juan, du coup, le jefe, et t'as la Fiera, là, qui est pas là, c'est le secondo, c'est lui avec qui tu verras un peu plus les choses, la tête pensante, quoi, comme tu dis. Le business. Ouais, business, tout ça, tout ce qui est parlotte, c'est lui. Donc tu pourras gérer avec lui, malheureusement, il est pas là, là, mais bah, tu connais c'est le business, c'est nous. Nous, on est là, hein, c'est demain, après-demain, tous les jours, hein, tu vas nous voir de toute façon. Bah, en tout cas, Juan, enchanté, ça fait plaisir, hein. Que la Birigi se moque de tes claquettes, mais sache que nous, nous ça nous dérange pas. Claquettes, hein. Oui, t'inquiète, on parlera entre quatre yeux après. Hormis ça. Parle à qui, Juan? À nous ou à ton pote? Non, à toi, on va parler tous les deux. À moi, bah avec grand plaisir, quand tu veux, Juan, quand tu veux. Bon, autre truc là, parce que là, vous me faites les mecs là, masqués, hein, la street, hein, les mecs du Salvador. Je vous propose un truc là, à minuit là. Moi j'ai des gars là, j'ai pété un petit garage avec pas mal de motos, de quad, etc. Là. Donc tu veux terroriser les Poyos? Vas-y, on va y aller ensemble, on va terroriser les Poyos. J'espère que vous savez manier des guidons et on va voir un peu qui fait quoi, hein, qui a le plus de couilles. Bien sûr. Bah parfait, bah occupe-toi de la logistique, nous on sera là. Perfecto, bah rendez-vous parc de la Colina en plein milieu là, à minuit. Minuit pile, vas-y. Bah parfait. Bon, on sera là. Perfecto. Eh ben, hasta luego, señor. Et un plaisir d'avoir vu vos sales gueules. Hein. C'est pas du tout un plaisir. Un plaisir partagé. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas entendu. 5518. Ah ouais. Attends, d'ailleurs, je vais enregistrer ton numéro, toi, c'est quoi? Non, il a essayé de mettre un coup de pression. Je vais te le dire là, 5518. Non, je suis malentendant, madame. C'est quoi ton nom? Lucio. Mais en full majuscule Lucio et le grand Dave, mais ce que tu veux. Hein. Ta mère. Ok, perfecto. Et que je peux attendre avec le camion qui est passé. Non, je dis, ouais. Tout madré. Mais... Ok, attends, je t'envoie. J'ai un autre camion qui passe en même temps. Nique ta mère, t'as entendu ça? T'as entendu ou pas?
Tu parles à qui? Je parle à toi. Non, non, je parle à toi, Lucho, Guterres, Lucho Martinez, Lucho Garcia, je sais pas comment t'appelles. Ouvre ta bouche là, comment ça fait? Santé, mauvais désespoir. Aïe, plus là. Ils vont nous ramener des maladies, ceux-là, là. Ils vont nous ramener des maladies. Circule, bâtard. Tiens, moi je focus les meufs, je suis misogyne sa grand-mère. Elle sait pas se battre, c'est une meuf. Elle sort de l'hôpital. Elle c'est que des brôles. Elle est tous les jours, on se bat, on fait que se battre. On passe notre temps à se battre. Comme de par hasard, le premier. Allez hop, allez. Aïe. Le premier à terre, bah voilà. Attends, je vais là. Hey, 3 bagarres en 10 minutes, wesh. Tiens, tu pas normal, toi. Tu pétais, il y a un gars qui a tapé. C'est très suffisant de plus, là, viens là. Venez. Ah, j'espère s'il y a quelqu'un. Et je crois, il y a un mec. Il y a Lil Kay. C'est Lil Kay. Attendez, les gars, je vais faire mon compte Twitter. Comme ça, je vais commencer à vanner les gens, là. Nuel, habituel. J'ai fait taper la purée dans la caisse. Ah, bâtard. Avec le concours, là, ça va être compliqué de trouver des... Ouais, mais après, au pire, je te prends photo pendant que tu braques. Alors que tu le braques pas du tout. Oui, c'est vrai. Vas-y, on va aller à celle de Little Seoul. Je te fume quand même un joint de Belgia. Bon, en tout cas, j'espère juste que les flics... Côté flic, ils se disent putain, enfin quoi. Enfin, on a de l'action. Enfin, tous les soirs, il se passe un truc. Là, je pense que la POV flic, elle va être incroyable. Hein. Parce que là, ça fait un mois que la POV flic, ils doivent se faire chier le cul à la mort. Mais là, tous les jours, il va se passer des trucs. Il va y avoir des guerres de gang de partout. Il va y avoir des appels de partout. Donc là, c'est bien. Je pense que rien que la pointée, déjà, ça fait du bien. Qu'il y ait des braquages très souvent. Il y a des. Encore? Le pire c'est qu'il t'engueule carrément. Oh bah y'a des poyos. Putain, c'est pas des poyos ça. Si, il est un peu plus bas là. Ah j'ai pas vu. Attends, y'a une super et tout là encore. Putain c'est... Sur la côte ouest y'en a deux je crois. Chicabron, attends on va aller voir c'est à la côté de la colline. Si je me lave les mains, laisse les jacquer sur ma vie. Les contentieux. Ça pose pour un selfie. Ouais, t'es une belle fille. Je te fume comme un joint de Belgia. Ya. Wellou, c'est la hure. Mais ouais, il faut que les gangs, juste ça tryhard pas, tu vois. Si ça continue de jouer chill et tout, c'est bien. Tu vois, que ça prenne pas les meilleures voitures, que ça achète des. Ça commence pas à optimiser son gameplay, que les gens ils dosent, tu vois, que. Que ça joue bien, quoi, c'est. C'est bon, non? Ah, d'accord, ok. Il a pas? Si, vas-y, c'est bon. Il a ou pas? Et là, mais il faut que tu me donnes le petit bracelet de la pointée, il est pas moi. Ah, tu l'as pas? Si. Tu veux jamais le remarquer? Non, c'est parce que j'ai fait un tri, peut-être que j'étais pas. D'accord, c'est bon. Je t'ai fait sauter. Celui-là, il a duré combien de temps? Allez, vas-y, donne. J'ai pris la caisse, enfoiré. Braque-le, braque. Vas-y, essayez le braque. Tape l'impose pour un selfie. Ouah, le tag de fou. Oh, le tag de fou, cousin. L'impose pour un selfie. En tout cas, les gars, j'espère que vous vous régalez. Moi, je me régale bien. Franchement, on est... On est bien là.
Là, tu vois, on commence à refaire l'illégal de base, quoi. Le vrai illégal gang, tu vois, où tu prends plein de risques, où tu fais plein de choses et tout. Ça, les gars, tu vois, pour moi, ça, c'est du vrai illégal, enfin, tu vois. Sors. Faites pas de bêtises, s'il vous plaît. Hijo de puta, pinche cabron! Nico, ça va le mettre dans le vent, comme j'ai mis son business d'armes dans le vent. Allez, hop. Allez, là, faut que j'assure. Parfait, en plus, il a une voiture bien, tu vois, on est à égalité à peu près. À 80 000, c'est plus d'humains que dans ta ville. Bon, après, je vous assure pas une très bonne course poursuite étant donné que je suis. Ah, j'entendais plus son gyro, je me dis déjà. Elle est derrière, il te suit, t'inquiète. Hein. Ouais, mais attendez, parce qu'il y a un mapping ici, ça a changé maintenant. Putain. Ah, la défense est là, c'est la merde. On sera à 80 000. Moi, c'est ça que j'aime bien dans ma façon de conduire, c'est que je connais pas des feintes de fou. Je connais pas trop de fin, du coup je conduis juste, je vais là où je me dis, oh il va y avoir une ruelle et tout, tu vois. Quand il me retourne, il voit qu'il y a un mec qui est habillé en costard alors. Ah ouais, dans la côté. Si. Bizarre. Avec un mec avec un gilet jaune, bizarre. Tu roules avec la peur. Ouais, parce que tu vois, maintenant les gens ils connaissent toutes les strats TikTok et tout, du coup ils roulent. Ils savent où ils vont, ils ont un itinéraire prédéfini, ils savent ce qu'ils font, tu vois. Moi je roule en mode, je me dis à tout moment je fais une erreur, tu vois, et bah les couilles, je fais une erreur, je me fais choper, GG. J'en connais quelques-unes quand même, mais c'est, moi c'est des feintes vraiment à l'ancienne que je connais, tu vois, genre passer dans des endroits comme ça, c'est pas une feinte, tu vois, c'est juste. C'est juste des endroits de la map, je les connais bien, tu vois, donc je passe. Tiens ce bâtard, hein, tiens ce bâtard. Si, il est bien accroché cet enculé, hein. Tiens ce bâtard. Oh là là. Putain. Tu les as baisés là. Eh ouais, mon gars. On en connaît quelques-unes quand même, hein. Ha. Je connaissais pas celle-là, incroyable. Perfecto! Comme ça, dans le vent là. Dans le vent! Elle est injouable celle-là. Franchement, quand tu la connais, elle est trop simple. Quand tu la connais, moi en flic, on me la faisait jamais. Parce qu'en fait, avec les voitures de flic, les gyros, ça tape. Avec un jeu fluide, t'es bon. Ah, je vous ai toujours dit que j'étais pas mauvais en conduite, frère. C'est juste que j'avais un PC de merde. Là, vraiment, si je me mets à faire des poursuites tous les jours, je vais devenir bon, vraiment. Mais c'est vrai que j'avais un PC de merde. Après là, cette voiture. En vrai, j'aime bien cette voiture, mais j'avais oublié qu'elle avait des freins de merde comme ça. Bah, souvenez-vous, à l'époque de Trix et tout, frère. À l'époque de Trix, je faisais tout le temps des poursuites. J'étais vraiment pas mauvais. Ah, perfecto. Bon, on va aller faire. On va aller préparer le rodéo là. J'aime trop drift. Ouais, j'utilise et beaucoup ma barre espace, moi. C'est un truc qu'il faut vraiment pas faire. Moi, j'aime pas trop freiner comme ça. En appuyant sur S. Perfecto, on va aller faire ça. Après, flika, direct. Tu vois, ça c'est une soirée, ça. Ça, tu vois, c'est ce que j'appelle une vraie soirée. On a fait plein de trucs. On n'a pas forcément gagné de la plata, mais on a fait des choses.
La fin du camion de glace avec la Buffalo S. J'ai pas la ref. Je vais laisser ma place pour la Flika parce qu'il fait pas mal de choses là déjà. Si. Parce qu'il y a des gens qui... Ouais, c'est vrai qu'il y en a, ils sont pas souvent là-dedans. Là. Celle qui a percé sur TikTok, je me souviens pas. Moi, je me souviens de la fin du bus qui avait grave percé sur TikTok. Bah, c'est encore pire si ça va pas. Ouais, c'est vrai que c'est encore pire, on a dit comme ça. C'est quand même... Ah, mais c'est les mecs en rendez-vous avec Clouture. Oh là, il a faim. Ok. Bon, elle arrive, il a fini. Ah, Lucho! Eh, c'était des gars importants à qui tu parlais là? Je suis à deux doigts de te rafler, manque pas de pas respect. Hein. On est si tu veux là. Eh, t'as vu que le mec avec qui tu viens de faire un rendez-vous grave sérieux, il est parti en se cassant la gueule? C'est pris un poteau, il a volé. J'ai loupé ça. Ah là, une meuf, je l'ai vu de... en 4K. J'ai la haine, je l'ai pas vu. Bon, Todos, venez là, rapprochez-vous là. J'ai mis un grand poteau ici pour faire un grand striptease là, tout nu là les gars, c'est parti là. Avec Lissandro là les gars, on va faire un striptease sa grand-mère. Je vais monter tout en haut, je vais mettre le poteau dans le cul. Bon, Todos, truc important là. Je pense que vous avez vu la Colina en ce moment, les Poyos, je sais pas, ils se croient où, ils sont bien à l'aise. Donc je pense qu'il va falloir qu'on fasse comprendre certaines choses. Moi j'ai mis les mains sur une petite logistique là récemment, des motos clairement qui valent des thunes. Hein. Donc j'ai un paquet de motos là-bas, là sur le parking juste là-bas. Et je vais vous proposer qu'on va aller tous sur ces motos. On va faire un grand rendez-vous. Donc on va passer, on va commencer à la colline là. Donc on va tous se mettre sur la route devant le parking. Et on va suivre un itinéraire. On va essayer de passer devant le poste, etc. Bref, on va essayer de foutre un maximum la merde. Moi, ce que je vous demande, c'est qu'à certains endroits, quand on sera vers la place des cubes, etc., on va s'arrêter à des grands carrefours. On va bloquer les quatre côtés du carrefour avec les motos. Et il y aura des motos au milieu qui lèveront, qui font des cercles, etc. Perfecto. Ce que je vous demande là, pour Todos, roulez pas trop vite, doucement. Et j'ai des fumigènes pour tout le monde là. Donc vous allez pouvoir les prendre là sur moi. Vous en prenez une chacun, pour favor. Et prenez-en une et les jetez pas. Juste gardez-les dans les mains, ça fera de la lumière. Je me sens un peu fouillé les gars. Je sais pas si... Je me sens pas trop dans mon intimité. Les gars. Yona, il a tout pris. Hein. Ouais. Ah, c'est bon, on me les a rendus. Ouais. Ah, ça me... Ouais. Non, bien le... Ça pique un peu, non? Ouais, ça gêne. Allez, hop. Non, ça va, je suis pas gêné, les gars. Qui m'a touché le téton, par contre, là, en prenant le truc, là? C'est moi. Ok, perfecto. C'est bon, vous avez tout ce qu'il faut, là, B18? Ouais, c'est bon. Ok, perfecto, bon. Venez, on va au parking. Ah ouais, c'est... On va aller au parking. Si vous voulez mettre de la musica sur les motos, vous pouvez. Pour mettre de l'ambiance. Ok, perfecto. Hein? Aïe! Ouais, pas perfecto, non? Ça va quoi? Il fout quoi? Eh, sale bâtard là, avec ton oracle là, circule! Entourez-le là, entourez-le! Eh, ceux qui ont besoin, il y a les médecins, il y a les EMS. Ceux qui ont besoin, il y a les EMS. On n'a pas encore besoin là, on n'a pas encore besoin de EMS. J'appelle le capitaine. De petit enfoiré. On appelle toute la police, on va arrêter votre. Eh, vas-y, Todos là, venez, on démarre, roulez tranquillo! À gauche. Ça va être incroyable. Oh, ça va être méchant. Faites gaffe, vous foncez pas dedans. Roulez tranquille. Voilà. Là, y'a plus de musique, là. Je lève. Attendez. Freinez là, la tête. Et là j'ai créé quelque chose de mauvais, les gars. Tout le monde va finir à l'hôpital. Si, il y en a des sont tombés. Et vraiment, faites gaffe, les gars, roulez tranquillo. Ça va tirer à balle rien, je préviens. On a plus de musique. Roulez tranquillo. Prenez vraiment la largeur de la route, les gars, la largeur. Même avec contresens et tout. Vous entendez la musique? Si, on l'entend. Oui. Lève-toi les oreilles, pétasse. C'est moi qui l'ai mis, connard. Elle est bien, la musica. Bah là, du coup, elle est finie, la musica. Mais j'en ai mis plusieurs, je sais pas trop ce que j'ai mis, mais j'ai mis en tout cas. Attendez, venez, on attend derrière là, les retardataires. Arrête de foncer dedans là. Juan, attention. Arrête, Juan, ça va foutre la merde si on fait ça. Mais tu es le protecteur. Tu fais quoi avec nous? C'est Juan. Bah, il lui a proposé de venir avec nous. Colina.
Pourquoi il tourne? Pourquoi il tourne? Attendez là, prenez pas des trajectoires au hasard là. Prenez pas de trajectoires au hasard. On va aller à la place des cubes là, on va aller à la place des cubes. Freinez, freinez, doucement, doucement là, il y a du retard derrière. C'est incroyable hein. Il y a un civil qui joue la cause. Par là les gars, je vous lance des fusées pour vous montrer. Doucement, doucement, doucement devant, doucement. N'attendez rien. Vas-y, prenez la largeur là de la route à gauche là. Masterclass. Ok les gars, eh, pas ce carrefour là, celui d'après on bloque, ok? Le prochain là, le prochain carrefour on va bloquer. Ok, bloqué, là, là, ici, là, celui-là. Vas-y, bloqué là, les gars. Tout le monde sur les extrémités du carrefour. Voilà, perfecto, perfecto. Vas-y, bloquez le carrefour, les gars. Dodos, bloquez les carrefours, bloquez les carrefours. Bloquez les carrefours, les gars, ça tourne au milieu, ça tourne au milieu, let's go. Allez au milieu, là, dès que vous avez envie. Ça tue sa mère. C'est incroyable. Eh, tous les quads là, allez au milieu, tous les quads là. Arrête, arrête. Aïe. Hijo de puta, pollos. Eh, des mecs, il est bien. Oh. Hein? Hein? Ça part en couille. Mettez-les sur le côté, mettez-les sur le côté, Todos. Mettez-les sur le côté, mettez-les sur le côté. Gardez le carrefour, gardez le carrefour, les gars, gardez. Gardez le carrefour, les gars, bloquez bien les routes, bloquez bien les routes là, faut pas qu'ils rentrent. Y'a des motos là, y'a des motos là pour celui qui a explosé. Jero, 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 de mon côté. Viens. Eh Todos là, vous êtes prêts? On va aller vers là-bas là, on va aller vers là-bas, on va aller foutre la merde vers Little Seoul là. Todos, c'est parti, on retourne vers Little Seoul. Mettez des casques, mettez des casques. Mettez des casques. Doucement, doucement, doucement les gars, doucement. Oh le bordel. Tu veux pas on encule la moto là de flic là? C'est ça, après on va les entourer, t'inquiète. On va s'arrêter dans un carrefour, on va les enculer. Attends mais ils vont trop vite devant. Attends je vais aller leur dire. Ouais dis-leur de freiner s'il te plaît. Eh on va bloquer. Eh vous savez quoi, on bloque le carrefour. Non, on va bloquer le carrefour devant les Poyos. Vas-y les gars. Eh RAF les gars. La Colina, faut leur montrer hein. Eh, attendez, freinez, freinez là, y'a des mecs qui se font bloquer derrière. Allez les gars, doucement, pas besoin d'aller vite, pas besoin d'aller vite. Qu'est-ce que c'est stylé ce genre de truc. Eh les gars, on va bloquer ce carrefour là. On va bloquer ici les gars, Todos. On bloque ce carrefour là, ici. On bloque ici là, les gars, Todos. En fait, il faudrait juste qu'il y ait un lead et que... Genre là, en fait, c'est ce que j'aurais dû faire. J'aurais dû faire un lead et genre je lance des fusées éclairantes.
Ah, c'est incroyable par contre. Hein. Je mets des... Attends, je mets des fumigènes tout autour. Viva la colina! Comment c'est incroyable, frère! Klaxonnez les gars, on fout un bordel! Comment on met les feux d'artifice? Attends, artifice. Feux d'artifice. Eh les gars, les gars, les gars! Bougez pas, bougez pas! Bougez pas, les gars, ça va foutre un truc là! Les gars, ça va foutre un truc, les gars, ça va foutre un bordel! Oh non! Let's go, les gars! Oh! Roulez, les gars, roulez, roulez! Vers le nord, vers le nord! On laisse personne tomber, on laisse personne tomber, les gars, on laisse personne! Allez, on avance, on avance, on avance! Oh, le feu d'artifice de fou, sa mère! Wouah! Vas-y, tout droit, tout droit, tout droit! La colline! Oh! Sale bâtard! Aïe! Il me fonce dedans! Aïe! Oh! Oh, mais tu roules trop vite avec ton quad, toi, sale bâtard! Ah, mais il va à 4000! Oh. Allez, on attend les derniers, on attend les derniers! Pardon, ouais. Allez, hermano! Mettez des coups de pied en voiture quand elle passe! On peut pas, on peut pas! Si, 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 tu peux pas! Non, on peut pas sur les motos, on peut pas! Non, tu peux pas! Ah, si! Ah, c'est vrai! Ouais, mais là, on va trop sneaker entre nous! Hein. Cassez-vous, hijo de puta! Aïe, aïe! Allez, on avance, les gars, on avance! On va aller devant l'hôpital, les gars, devant l'hôpital! Prochaine à gauche, les gars, devant l'hôpital, on va bloquer! Hijo de puta, poyos! C'est la colina! Casse-toi, bâtard! Pied bouche! Qu'est-ce que c'est stylé, ça? Allez, on va bloquer là, les gars, on va bloquer là! Allez, on bloque là, on bloque là, là! On bloque là, les gars, on bloque là! Dodos, on bloque ici, on bloque ici! Faites un carré, faites un carré! Eh, eh, eh. Là-bas, là, avancez, là, avancez. Avancez, venez, venez, venez. Ils ont ramené un camion blindé. Qui sait pas ce que c'est un carré? Moi, je vous apprends. Vas-y, le carré en face, là, ici, là. Bloqué ici. Oh là là. Vous êtes trop dangereux, les quads, j'ai juré. Ah, les quads, vous êtes dangereux, sa mère. Hein. La marche arrière, on fait 0 à 50 en 0, une seconde, c'est dingue. Regarde, regarde, regarde. Non, on fait plus vite en marche arrière qu'en marche avant, c'est nimp. Eh, c'est un malade ce quad. Les gars, les gars, ça repose du matos, hein. Ça repose du matos direct, rien à foutre. Hop. Let's go. Pourquoi y'a plus de musica là? Bah oui, pourquoi pour nous attendre? Bah c'est toi, hein. Ouais, le feu d'artifice. Oh, ah, de nous jeter de l'eau là, bâtard. J'ai rien fait! Mets de la musique là, mets de la musique! Les gars, on va repartir dans cette direction là! Vas-y, vas-y, trouve-en, on attend là! On se regroupe là! Hijo de puta, poyos! Je leur bloque la vue, les gars, je leur bloque la vue! Comment c'est incroyable, les gars. Je te mets des gifles, tiens. Mais il faut niquer sa merde.
J'ai l'impression qu'on a perdu du monde là, je suis fou. Non, c'est oui, on a perdu du monde. On va en perdre du monde. Non, mais... Allez, Todos, là, on démarre. C'est... T'es prête, Loka? Y'a le temps qui va avec nous. Allez, attends bien, le temps qu'il est avec nous. Younes, parti, on retourne, on retourne devant le poste, les gars, on retourne devant le poste. Tout droit là, tout droit, toujours tout droit, et on tourne à gauche au Burger Shot. Roulez tranquille devant, roulez tranquille. Ça sert à rien d'aller vite en vrai. Oh, elle est incroyable cette musique! Ah, il a slalomé le poyos. Il a slalomé le poyos. Tranquillo les quads, roulez doucement là. Qu'est-ce que c'est stylé. A gauche, à gauche. À gauche. À la izquierda. On va rebloquer ce carrefour les gars, on va rebloquer ce carrefour. Hijo de puta. Vas-y les gars, on bloque ce carrefour là, on bloque ce carrefour. Bloquez ce carrefour les gars, bloquez ce carrefour. Oh. Eh les gars, deux personnes max au milieu, deux personnes max au milieu. Long feu d'artifice, je sais pas les gars, c'est quoi les différences entre les... Viva la colina! Viva la colina! Viva les gars, je vais remettre un feu d'artifice, bah les couilles. Aïe! Attends, attends, attends. Je pose des bails, je pose des bails. Refais un stock de fumigène. Là. Ouais, mais faut pas les jeter, les gars. Ok. Faut jeter une par une. Ouais. Attends, je mets des feux d'artifice. Faites gaffe, les gars. C'est parti, les gars. Ça part en couille. Wouh! Viva la colina! Oh, ça tue sa mère. C'est reparti, les gars. On tourne vers la place des cubes. Va te faire foutre, toi! Va te faire foutre, bâtard! On va faire un tour d'Inglewood les gars, on va faire un tour d'Inglewood. Roulez tranquillo, tranquillo. Pas trop vite. On reste à cette vitesse à peu près, c'est parfait. Comment c'est stylé les gars. Todos, on va aller dans le parc là, on va aller dans le parc les gars. On va faire la finale là, la finalité. Let's go dans le parc les gars, c'est la fin là. On va conclure dans le parc. Là où on s'est regroupé au tout début là. Foutez-moi la merde dans ce parc les gars, foutez-moi la merde. Foutez la merde les gars. Aïe! Oh, je me suis tué! Venez les gars, on va se regrouper. Venez, on se regroupe là, là. On va faire une photo là. T'as carrément une Lamborghini. Venez les gars, on se met à côté là. Venez, on se met tous côte à côte. Ah, je pense que les poyos, on va aller les niquer. Hein. Viens, on va les shooter, s'il te plaît. Viens, on se met à côté là. Tu vas tout taper là. Je suis bloqué. Dans les deux cas, je peux rien faire. Fais aller tes roues arrière. Tiens, je te ramène un mec de chez toi, pas besoin. Aïe. Ah putain, toi le guerrier là, t'es mort là comme ça. Ah, je me suis tapé l'arme. Aïe. 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 Wow. Aïe. Je sais pas. Putain les gars là, l'image de la soirée elle est magnifique hein. Attendez. Ouais, je vais filmer carrément.
y dale tu cuerpo si tú quieres. Pero hay un detallito que quiero que consideres cuando estés feliz. Eh ouais les gars, la colina c'est réel hein. C'est nous, on est prêts. Ouais, sa grand-mère, ouais. Ouais. Je suis tout nu derrière le téléphone. Hein? Ouais. Merde, non, je... Attendez, on la refait les gars, ça vous dérange pas? Non, non, je rigole. Sale merde. Ils sont où les boyos là? Ils sont partis? Ah ouais, en mode on est pas assez violent. Ils sont... Mais ils ont monoté talon. Ah ouais, t'inquiète, on va trouver un truc pour la couper. Ah bah les gars, je pense qu'on a, bien fait le boulot hein. On a bien fait le boulot hein, je sais pas, vous en pensez quoi? Incroyable. Ah, c'était incroyable hein. Ah moi ça... Ça a bien fatigué le cul là. Ouais, franchement, c'était bien fait, ouais. Quoi? On va tous dormir. Eh hey. Hey, infiltré. Hey. Infiltré, bâtard. Bon, par contre, les gars, les motos là, toutes les plaques elles sont cramées. Hein, donc il va falloir les foutre dans l'eau, je sais pas, démerdez-vous. Débarrassez-vous-en. Mais gracias todo, je pense que ça a permis à ce qu'ils comprennent là. La colina, c'est comment là? Personne rigole. On va se refaire ça bientôt, ok les gars? Et tu ne tires pas sur les latinos, sinon les bêtes. Exactement. Gracias todos, en tout cas. Gracias todos. Ciao. Gracias, buenas tardes, buenas tardes. On se voit bientôt, les gars. Hasta luego. Toi, tu pues, frère. Feu d'artifice, les gars. Wow. Tiens, las bricas. C'est toi, las bricas. Las bricas. Ah, ah. Las picnicas. Aïe. Ciao, ciao, la moto, chef. Gracias, gracias. Wow. Pépito, il est en galère. Va barrier, on va te couper les menottes avec une pince ou quoi. Laissez les motos là, les gars, si vous les utilisez pas. Putain, les gars, c'était quelque chose. Hein. Mais toutes les musiques qu'elle a mis, ça doit être. Ça doit être copyright, ouais. Les flics, ils avaient toujours la haine contre nous. 5 minutes, il s'est passé tout ça. Ouais, ouais, en 5 minutes, il s'est passé trop de choses. T'étais parti où, toi? Je me réveiller. Mais je voyais plus rien dans le barrio. Hein. Trop de cocaïne. Changer de lunettes, hein. Trop de coca, hein, trop de coca. Belly G, tu vas changer mais de style. Mais non, mais. Tu peux pas changer de style, je suis comme ça tout à l'heure, ouais. C'est bon que toi, hein. C'est quoi la marque de tes lunettes, Loka? Je lui rembourse 37 000 $, oui ou non? C'est pas le Mangers, c'est les lunettes avec les. 37 000, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup parce que. Regarde, son excuse, c'est quoi? C'est que du coup, après son excuse, il a. Ce qu'il a à dire, hein. En gros, c'est qu'il y a deux têtes qui sont tombées. Ouais. Et que du coup, lui, il a perdu un Beretta dans l'histoire. Même plus, quoi. De ce que j'ai capté, il a perdu deux Beretta. Ouais. Ouais, je m'en bats les couilles de le rembourser, c'est pas le problème. Moi, c'est plus pour. Ça dépend de toi, ça dépend de toi. Juste dans le principe, donne-lui 25 ou 30 000, un truc comme ça. Vas-y, dis, moi, pas 37 000, donne, vas-y. Moi, je te donne ce que, ce je, que je pense dis, mériter je de te payer. Je dis, ouais, ça aurait pas dû se passer comme ça, mais moi, tu me donnes pas de règles, tu vois. Tu dis 30 000 ouais, c'est ce que je lui ai fait ou 25 000, téléphone, tu fais comme tu le sens. C'est ok. Pas besoin de baisser son fut, hein. Ouais, bah non, je comptais faire autre chose. Voilà, club, je vais la brûler. La 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 club, je vais la brûler. Ah! Ah! Bah, vas-y, c'est quoi la club? Mais là, quand on nous a dit Todos Barrio, y'a rien qui s'est passé du coup? Non, c'est bon là, c'est bon. On devait faire la flicam, mais on la fera demain. Ok. Là, y'a plus grand chose à faire. En vrai, on va. J'aurais bien fait un petit tour Vanwood, moi. C'est quand t'as fini de décorer, toi? Il y a des mecs qui me braquent la grande. Bah là, j'ai recommencé aujourd'hui. T'es lente, hein? T'es lente comme l'aide. La grande roue. Attends. Parfois, il y a des gens qui me demandent, ils doivent attendre 3 semaines avant que je le fasse parce que j'ai beaucoup de chantiers là, t'as de la chance, ok? Excuse-nous, hein. Donc, non, excuse-nous. Et en plus, je sais même pas où c'est, tu m'as pas donné les clés. Bah ouais, c'est pour ça, j'attends que tu finisses tes bails avant que je te donne. Je te donne, hein, mais. Je finis chez la Fiera et vas-y. Si, ok. Vas-y, perfecto. Merci Lai, merci pour ton tir 1. Attends, j'espère qu'il y a Riley, ce serait bien. Bah super. Ouais. Vago, tu peux m'organiser une petite OP Vinewood là dedans, rapide. Attends, moi je fais ça et je dois faire. Genre un petit truc de 15 minutes, tu vois, on fait partir un peu. Et... Ah ouais, bah vas-y, ouais, Pépito, Loco. Si, bonsoir monsieur Bruce, ça va? Oh, moi bonsoir, vous. Ah, maintenant? Ouais, ouais. Ah, vous parlez pas trop espagnol, hein, je vais vous apprendre si vous voulez. C'était pas de l'espagnol là? Bah non, ça c'était juste pas conjuguer ses verbes. Hein. Ah oui, oui. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Faudrait que je vous voie. J'ai une petite demande spécifique à vous faire. C'est assez rapide, hein, mais si vous êtes dispo, ça pourrait être pas mal. Bah là, j'ai deux rendez-vous importants à faire, plus un enterrement. Ah.
Okay. Ouais, ou du coup j'ai dit dans un quart d'heure ou deux, sachant que ça fait une heure qu'ils attendent. Ouais, oh, c'est pas très urgent, de toute façon on se verra plus tard s'il faut. Ouais, on se verra plus tard, je vous redis par message si vous voulez. Si, ok, perfecto. Bah, hasta luego. Ça se babesse à vous. Hein. Ouais, bah, t'es mort de rire, je sais pas pourquoi, mais. Parce que le mec des Wood, à chaque fois que je l'appelle, je lui dis hasta luego, il me dit ouais, à las babes. Je sais pas, il raconte quoi ce bâtard là. Il sait parler espagnol, il raconte non. Ah ouais, hey, le poyos là. Appelle-le pour le date. Mais tu sais qu'hier, oh, fallait que je te voie, fallait que je te raconte. Je l'ai croisé au LS. C'était beau comme ça là, on dirait un. Parce que j'ai un homme. Je sais pas pourquoi tu penses. Je suis un bonhomme moi, y'a quoi. Un bonhomme, hein, je vois ça, mais ça fait bizarre, t'as les épaules cheloues. Ah d'accord. Non, en gros, je l'ai croisé au LS, le mec il m'a clairement manqué de respect. Genre, je te jure, il m'a sorti comme quoi j'étais une boîte à sperme, des trucs comme ça. Quoi ? Il m'a sorti que des dingueries. Je vais l'enculer lui, il est malade ou quoi ? Mais je te jure, genre il m'a sorti ça devant ses collègues et tout. Et ? Bonsoir, on peut vous aider ? Soir ? Non. Bah, nique ta mère d'ici alors. Tu crois où là ? Tu passes où ? Tu passes derrière le barrio là ? Tu crois où ? Mettez main sur le capot. Ah, je mets ma main sur le capot. Fais attention à ce que tu fais ici, hein. Il se passe quoi là ? Fais attention à ce que tu fais ici, bâtard. Isaiah Villanueva Marclé. Ouais. Ben, je t'arrête, possession d'armes. Possession de quoi ? J'ai pas d'armes. Si, t'as une arme. Où ? Non, il a pas. Où tu vois une arme ? Je vois un Glock là. J'ai pas d'armes. Gars, je le bouge, tu le vois ou pas ? Non, ça c'est ma bite ça. Non, c'est pas ta bite, allez hop, toi tu viens avec moi. Lâche-moi, héros de putain, lâche-moi. Lâche-moi la patate. En fait, vous voulez. Ah, vous êtes trop à l'aise à la colline, vous. Reculez. Vous êtes trop à l'aise. Vous voulez pas comprendre que moi je marche avec le respect. Donc, soit vous me respectez, soit vous faire des films de cul, vous comprenez ou pas ? Manqué de respect, là. Mais là, tu rentres dans le barrio n'importe où. Il m'a dit nique ta grand-mère. Non, moi je dis pas nique ta grand-mère. T'as dit quoi ? Non, il respect. J'ai dit héros de putain, ça veut dire t'es un bon aujourd'hui. Non, je sais ce que ça veut dire, héros de putain, ça fait 13 ans que je fais ce boulot. Ah, c'est vrai. Eh, parce que tes collègues ils foutent la mort là ce soir. Il passe à la colline, je sais pas, il se croit où là. Tu m'as vu ? Eh, je sais pas, vous êtes tous les mêmes, vous êtes les mêmes racines, vous êtes tous les mêmes. Et moi, je vais commencer à dire que vous êtes tous les mêmes, les pointés. Tu vas voir, si je vais pas vous arrêter, je vais vous mettre une noirico, je vais vous mettre en prison. Oui, une noirico, faudrait déjà que tu puisses le faire. Ramenez-moi à manger. Il est fou lui. Il est fou, il est malade. Il est fou lui ou quoi là ? Faut le baiser ce mec. Par contre, attends, je vais supprimer les... Ça va ? Mais il s'est cru dans son quartier. Allô ? Donc on l'a pas un bidon là, j'ai cramé sa caisse là. Il lui fait ou pas ? Si, vas-y. Tu peux, mais vas-y. Vas-y. Oh, tu viens là pour quoi là ? T'as un rendez-vous ? Attends, on va faire quoi là ? On le laisse pas là. Mais toi, t'es à l'aise ici, hein. Toi, t'es vachement à l'aise, hein, sale bâtard, va. Oh ! Regarde ce que tu vas faire. Ce que tu vas faire avant que je m'énerve. Non, je peux appeler Juan. Et lui, je vais le matard. Ouais, allô ? Je vais le matin. Oui, attendez, je vais aller chercher un truc, j'arrive. Voilà, Biridji, montre que t'as des couilles. Je vais aller chercher un truc là. Juan, c'est votre chef. Hein? Imaginez, j'ai besoin de voir Juan et vous êtes là, vous agressez un de ses invités, imaginez. Pourquoi il irait voir un poyos? Écoute-moi, peut-être qu'il vous doit. Non, on marche pas avec la rata comme toi. Moi, je t'explique. Appelle Juan. On va appeler Juan, mais hé. Hey, ouais, viens pas dans le quartier comme ça là. Serre les jambes là. Comment ça serre tes jambes? Dis-lui, Yaris. Et alors, en mode sympa? Dis-lui. Ah, c'est toi le fameux Riz. Oui. Ah, j'ai entendu plein de choses sur toi. Toi, t'es un entendu quoi? T'as entendu quoi? Régale-moi. Toi, t'es un vrai. Ah ouais? Toi, t'es une cholo en fait, toi, t'es une cholo, t'es infiltré. C'est quoi ça, cholo? T'es un bandit. Ouais. T'es un bandit, ouais, c'est ça. Et pourquoi tu viens ici, t'es à l'aise là, comme ça? Tu crois la colina, c'est chez ton madré? C'est pas ça, déjà, premièrement, est-ce que vous pouvez reculer un petit peu là, que je respire? Non, on n'aime pas les poyos aussi, vous êtes pas les bienvenus. Mais vous voulez vraiment que je fasse la misère? Tu vas pas nous faire la misère. Je voulais pas, je viens en paix, bordel de merde. Appelez Juan là déjà, appelez Juan et demandez-lui s'il sait qui c'est là. Si. Je viens en paix, vous voulez la guerre, bordel, c'est pas possible. Mais on veut pas la guerre, on veut pas la guerre. Tout ce qu'on veut, c'est pas que les poyos ils viennent ici comme si c'était à l'aise là. Écoute, à la colline, les poyos sont trop à l'aise. T'as vu tout à l'heure là, tes poyos, tes collègues là, ils sont passés ici, je leur ai tiré dessus, hein, je te le dis. Hein. Au moins, tu le sais, c'est moi. Je leur ai tiré dessus, j'en ai rien à foutre. Pourquoi tu me tires pas dessus, moi ? Là, justement, là, je suis à deux doigts, tu vois, je suis allé chercher du matos là. Non, mais regarde, c'est la fait Tu vois, c'est pour ça, moi j'en ai marre. Oh là là, c'est pour ça, moi j'en ai marre, Riz. C'est la grande roue ?
Oui. Il veut, en fait, tu vois, on peut se battre contre tout le monde, les six blocs. Il veut se battre contre les gitans. Il veut, en fait, il veut mourir, ce mec. Je vais tout niquer. Je vais tout niquer. Ouais, il a volé la grande roue, ouais. On vole tout, nous. On vole tout. On s'en bat les couilles, nous. Wow, avoir volé la voiture à Al dans Malcolm, là, ils ont volé la grande roue. Sa mère, elle amène que des problèmes, lui, ici, là. Ta gueule, toi, ta gueule, toi. Ta gueule, je te demande de dire là, toi. Arrête, arrête de courir, arrête, attention, attention. Qu'est-ce qu'il fait, ce bâtard, là? Je vais le niquer, frère. En fait, Thomas, quand t'as compris comment il faut jouer contre lui, tu t'y arrives. En fait, faut juste comprendre qu'il a pas d'ennemis et personne veut oser jouer contre lui. Bah oui, c'est pour ça. Un peu de bonheur pour les petits. Putain, les gars, vous êtes en train de merder là. S'il vous plaît, les flics, faites une ligne. Je veux discuter avec Tyson. Oui, bah déjà, tu vas rendre la roue à la petite cousine dans un non, premier. J'ai plus la foi. Non, tout va dire, on peut s'arranger. Comment il a fait pour mettre la roue au-dessus de sa tête là, comme ça d'ailleurs? Putain, la roue, elle est superbe. Tu récupères de l'argent de la part de tes amis. Tu peux payer ça 1000 dollars par tour. Oui, 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 j'ai une part. Oui, tu récupères combien? C'est quoi la part que tu récupères? Moi, je récupère 20%. Ça veut dire 200 dollars. Ouais, c'est ça. D'accord. Et bah, regarde, moi, je suis prêt à te donner 50% de l'argent. Est-ce qu'on peut faire vite? La voiture, elle est en train de mourir là. Oui, tu peux commencer à l'entraîner dans le barrier. Et tu mets à combien le tour? Je mets le tour à. Tu as de la chance, tu as de la chance. 800 dollars. C'est moins cher. Et tu récupères la moitié par jour. Tu récupères 50%. Viens, récupère 50%, Tyson. Capitaine. Mais je fais un. Il est où ton collègue? Après, c'est vrai que c'est quand même un monument pour Del Perro. Je sais pas, il dort. Exactement. Oui, mais pense à tous les enfants de la Colina, ils vont être trop contents. Eh, c'est une liberté, j'ai déjà volé. Et les petits enfants de la fête foraine, vous en pensez? Bah, les enfants de la Colina, ils vont pouvoir venir. Mais ils peuvent venir ici. Allez, la tribu, on s'écarte, c'est pas un spectacle. Merci. Allez, allez, on s'écarte. Ferme-la, toi, ferme-la. Il roi puta, cabron. Kayate la boca. Oui, d'accord. On va commencer. Moi, viens par lui, viens déjà. Bon, attendez, je vais être clair avec vous, d'accord? Là, actuellement, il y a une opération de police. Kayate la boca, il roi puta. Recule là. Laisse ton arme. Ta mère la poutasse, toi. Eh, tu crois on va faire quoi là? Tu crois on va faire quoi? Vous êtes 50 000 là? Tu crois on va faire un truc ou quoi? Vous dégagez, d'accord? Vous êtes en train de perturber. Je reste là, je suis dans mon barrio. Je vais pas bouger. Joue avec mes couilles. Chasse-toi. Vas-y, joue avec mes couilles. Un mot. Ouais, t'inquiète. Toi, t'as pas de couilles, tu fais le malin. Hein, t'as besoin d'une gazeuse contre moi. Écartez-vous. Écartez-vous. Putain, sale bâtard. Salope. Ah putain, ils l'ont tasé. T'as besoin d'une gazeuse, bâtard. T'as besoin d'un taser? T'es gros libard là. Hein, toi, sans taser, sans gazeuse, tu fais rien, toi. C'est pour moi, Mano, ça. Rejette, hein. Bon, allez, bordel de merde, on y va, quoi, allez. Allez, bordel de merde, on va les écarter. Ça pique. Attends, ça se trouve, il a un truc dans sa boîte à gants. My dream. Alors là. Allez, on tire cool, allez. Oh! Y'a un souci? Hein? Je préfère. Benef! Benef de fou, gratuit comme ça là devant tout le monde. Hop là! Et merci! Petit flashball! Viens là sans ta gazeuse, toi, bâtard! Viens là! Hein, t'as pas de couilles, bâtard! Hein, t'as pas de couilles, hein! Pinche cabron! T'as calmé qui, toi? Eh, les Chinois, tiens! Allez, on se calme! Ah ouais, mais il me frappait sa lampe torche, ce bâtard! Non, mais Shella est con, en fait! Shella est con, il faut aussi! Je vais devenir fou, je vais ramener toute la colline ici, je vais devenir fou. Vous êtes trop à l'aise là. Calme-toi, héros. Oh, j'ai fait une soirée de gitan là, vie de ma mère, toute la soirée je me suis battu. Quoi cette soirée là? Ça fait du bien de se battre. Ça fait du bien, mon cousin. Ça fait du bien, mais là, ça me fout la haine, le barrio. En tout cas, plaisir qu'on vous accueille, les petits gars, y'a pas de chien. Ta gueule, toi, ta gueule, pinche cabron. Y'a pas de problème. Kayate. Ça veut dire quoi, pinche cabron? Ça veut dire que t'es un bon.
Ah ça c'est... Ah, bah, ah ouais. Merci beaucoup, merci beaucoup. Oh il est tombé hein. En tout cas le quartier s'est transformé en cruche de la cité. Plus de cheveux là, plus de cheveux là, casse-toi. Chut, qui m'a chiché. De con. T'es content de ramener la roue? Bah je suis grave content. Ah putain. Je suis trop heureux là, franchement là je suis refait. Bah oui, vous avez pensé au petit du gars. On aurait pu aller, je sais pas, non, tuer des gens, vendre de la drogue, non? Non, ramener la roue, c'est mieux. Exactement, exactement, t'as raison. J'espère que ça a rapporté de la plata. Ah ouais, la voiture. Ça rapporte pas de la plata. J'ai voulu la statue de la liberté. Ouais, c'est vrai que la statue de la liberté, ça s'est déjà fait. Ouais, bah c'était moi. C'était toi? Ouais, bah c'est Brad. Wouah, l'ancien de ouf. Ouais. Tu connais Skittles? Mais tu connais encore mieux, toi tu connais Seth. Je connais Seth. Tu lui avais donné une mission avec le Watergate. Ouais. Ouah, avec ton bunker et tout là, je me souviens. Enfin, allez, je m'en souviens pas. Bonne soirée, petit jeune. Bonne soirée. Et puis Chicabrona. Et puis Chicabrona. Va-t'en couler, va. Ouais, voilà, geek, t'inquiète. Poyeuse de merde. J'ai même connu les Shangri-La. Ah ouais, non, toi tu viens de l'ancienne. Toi tu viens des Kuzabo. Avant, on m'appelait Tutti Futti. Avec qui tu l'as volé là? Lui, c'est Kimura. Avec les bikers là, non? Oui. Bah, mon frère, c'était Ezra Benson. C'est lui qui m'a demandé de voler la statue de liberté. Pour la mettre sur Alderney. Pour revendiquer la liberté et l'indépendance de l'île. C'était qui le boss? Il y avait le boss aussi, non? Il y avait le boss. Le boss de l'illégal. Le boss de l'illégal, ouais, c'était. C'était. Attends, comment il s'appelle? Vertugo! Non, bah non. C'est lui. Ah, c'est lui? C'est pas Vertugo? Ouais, si, c'était Vertugo. C'est même lui qui m'a demandé de la reprendre. Attends, lui, il a volé la statue de la liberté, lui. Ouais, il nous a aidés. Non, il est parti en couille celui-là. Ah, il y avait Miguel aussi. Mais non, c'était pas les si, si, si. Si, 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 non, il y avait les... C'est les Vagos. Ah si, c'est les Vagos avec les bikers. Oh là là, les Vagos, putain. Ça va me traverser des époques, hein. Ouais. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Les petits vont pouvoir venir s'amuser, c'est bien. Ça pue la merde, ça pue la merde. Tu vois pas, notre quartier, on dirait un... Il est RGB. Un cirque. On dirait une smuge. On dirait un cirque, ça nous représente tellement bien. Un cirque. Un cirque sa mère la pute. Moi je me casse le cul là à remonter le niveau là pour ça là. Une grande roue. Putain. Ouais mais regarde, on est différents des autres, on ose des choses. Ouais c'est vrai. On pense aux petits, on pense aux petits. Qui aurait osé voler ça? Je les encule les petits, je les encule. Comment, les enfants aussi tu les encules? Là, je les encule, moi je les balaye direct, hein. Ils viennent ici, y'a pas de petits moi. Je vais découvrir le cirque de la Puente. Putain, tu mets Quetzalcoatl. Déjà dans le gang, il y a un mec qui s'appelle Keket. Comment tu veux faire quoi? Ah, mais Keket, c'est Quetzalcoatl. Ouais, je sais, mais il faudrait l'appeler Quetzal. Moi, je l'appelle Quetzal, mais il... Non, c'est Keket, c'est stylé. Stylé de quoi? Y'a quoi de stylé? Y'a quoi de stylé, s'il te plaît? L'autre s'appelle Suce-moi, tu pété. Je vais tout niquer là, j'en ai marre. Non, regardez la traduction de Choupété, hein, ça veut dire sucette. Ah, vraiment, il savait même pas. Regarde, il s'appelle Bella alors qu'elle est moche. Regarde Juan qui tue Cerise. Regarde, allez, pareil, ça coche. Tu t'entends. Hermano! Je crois que t'as entendu. Hein. Non, ce gros con. Oh. Une ma mère avec son gros tech fleece là. Sa grosse sacoche là. Ouais, hermano! Si. Tout le monde là sur le mur, s'il vous plaît. Maintenant. C'est peut-être le moment de partir, Keket. Nous aussi, enfin moi aussi. Dépêchez-vous, tout le monde. Tous ceux qui étaient là, vous allez contre le mur, dépêchez-vous. Non, bah vas-y, j'étais pas là. Si. T'étais pas là, t'es sûr? Non, sûr. Qui était là, là? Qui? Flopa, ton casque, là, Flopa. Sur le mur, là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Me dis pas qu'il est en train de mettre son gang contre le mur pour le flashball, là. Je peux être quelqu'un qui vous voit, sur le mur aussi, dépêchez-vous. Pour qui? Dépêchez-vous, sur le mur. Si c'est ça, je vois. C'est capitaine, toi, pas Berigi? De quoi? C'est pas des gens d'ici, c'est pas des gens d'ici, je pense pas que ça. Qui a fait quoi? Comme genre ça? Je sais pas. J'ai pas compris. La voiture de Riz. Attends, t'es en train de mettre tout le monde contre le mur parce attends, que. Attends, viens ici. Et j'ai pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? C'est pas moi, c'est pas nous qui nous en occupons. C'est bien, ils sont morts. Ils sont morts de quoi? C'est un pneu. Tu connais la justice ou pas? Oui, tu connais Riz? Je m'en bats les couilles, Riz, c'est pas la justice. Il va sortir un fils de pute. Un fils de pute. Il va sortir, on va pousser un pompe. Vas-y, filme-le. Bah, filme-le. Non. C'est interdit, ouais, De quoi il fait quoi, hein? Non, mais... Laisse-moi gérer. Il met tout le monde contre le mur pour le pneu de Riz. Ah ouais, bon, faut que tu passes sur le mur, hein, sinon je suis mort. Tu vois, c'est pour ça, Riz. Pourquoi tu fais ça? En fait, faut te mettre une tarte, toi. Faut te mettre une tarte, faut te réveiller, toi. Hein? Il aime pas les poyos? Ok, vas-y. Mais qu'est-ce qu'il a fait?
On peut savoir. Il le suit ou? Il a touché à la seule voiture. La seule voiture. La seule. Putain. Et alors, Eh, je la brûle. Je vais la brûler. Sa côté de merde. Là, je m'en bats les couilles, moi. Tu crois que j'ai peur ou quoi? Arrête ça. Je le brûle, moi. J'en ai rien à foutre de lui. J'en ai rien à foutre de lui, là. Oh. Ferme ta gueule. Et va derrière. Oh, y'a Juan là, ce que t'es en train de faire, c'est une folie. Hein. Je te parle sérieux. C'est une folie. Tu vas voir quand c'est une folie. Tu t'évites un coup de fusil à pompe, connard. J'en ai rien à foutre d'un coup de fusil à pompe. Je préfère prendre un coup de fusil à pompe que de mettre tout le monde contre un mur pour un poyo. C'était con ou quoi? Attends, mais. Vas-y, fais ton truc. Voilà. Arrête d'être con. Merci. Super. Attends, mais donc là, il te décrédibilise devant tout le monde là. Laisse-moi gérer mon barrio. Je vais lui parler après. Ouais, je dirais. Aïe, 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 aïe. C'est irrattrapable ici, c'est irrattrapable. Assis-toi. Bois de l'eau aussi. Là, si je comprends bien, Riz, il a mis tout le monde contre le mur. C'est le réfet qui a fait ça. Hein, le tofu, là. Oh, la tête brûlée. What is this? Là, c'est vrai, c'est vrai. Je crois qu'il est en train de remettre en question lui-même avant de parler aux gens. C'est une dinguerie, là. Mais je pète mon crâne, là. Bah ouais, mais moi aussi, j'ai pété mon crâne. Vraiment? Ouais, ça va pas frapper Talon là. Bah c'est moi je me regardez vous regardez la chaîne de la Pointe. Hop, par terre. Niquez vos mères. Me recontactez jamais hein. Je vous le dis hein. Me recontactez pas. Hein. Ah c'est une dinguerie. Non, c'est une dinguerie. Parlez pas avec moi. Parle pas. Sérieux ou quoi? Non mais arrête, on vient on discute. Non, non, faut arrêter le suçage. Eh, c'est un poyo, je crois, c'est qui là? Mais c'est le gouverneur ou quoi? Mais je suis le premier à l'avoir embrouillé ce poyo. Non, là, mets tout son. Eh, mets tout le barrio contre un mur parce qu'on a fait le pneu d'un poyo, vous êtes fou ou quoi? Eh, jamais je vous humilie comme ça, moi. Il est en train de frapper Talon devant les poyos, est-ce qu'on se rend compte? Eh, moi j'ai pas envie de vous matrixer la tête, faites ce que vous avez à faire avec lui. Moi je ne suis plus Rouen. Tiens. Mais on est d'accord, mais tu peux pas partir comme ça, arrête tes conneries. Laissez-moi tranquillo. Je parle pas avec eux là, ça y est. C'est une dinguerie de faire ça, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Vous le savez hein, comment je vous parle. Hein. Je sais, en privé là, vous savez très bien comment je vous parle. Vous savez très bien comment je vous parle. Moi je vous engueule vos mères, je vous insulte vos mères, mais devant les poyos, jamais je ferai ça. Non, c'est une dinguerie, c'est vraiment une folie. T'as pas vu ce qu'il a fait, Vago? Non, mais j'ai pas vu. Déjà, il a mis tout le monde contre le mur pour le pneu de Riz. Talon, il a dit, bah ouais, c'est moi. Tu vois, logique, il a assumé. Et Riz, il a dit, vas-y, frappe-le devant moi. Il a sorti une clé à molette, il a arraché Talon devant tout le monde. Mais qui a fait ça? Juan. Ah, ça y est. Non, moi, je suis d'accord possible, avec lui. Non, c'est Juan, pas possible. Juan, s'occuper de mon problème, il volait une roue. Je lui dis que je suis non, à non, mais déjà, il ramène encore sa grande roue, vas-y, il fait faire bon, son truc est... drôle, on s'en bat les couilles. Sa mère, faut arrêter d'abuser, là. Moi, je vais chez moi, je vais me barrer de la colline. Hein. Terminé cette histoire. Je pense que je voudrais juste que tu le dises. Non, ça sert à rien, il veut pas comprendre. Il y a une limite à tout. C'est vraiment une dinguerie de faire ça. Eh, les poyos, toute la soirée, on a fait un rodéo d'une heure, je me suis cassé le cul, j'ai brûlé des voitures de poste, tout à l'heure, je leur ai tiré dessus. Eh, moi, je sors de 7 ans de prison, hein. Moi, je pars en garde à vue pour avoir tiré sur un poyos, je plonge à vie. Je sais, mais ils comprennent pas ça. Eh, moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je m'arrêterai jamais devant un poyos, je préfère prendre la prison à perpétuité que faire ça. Hein. Mais on est d'accord, mais tu veux qu'on dise quoi à l'encontre? Eh ben, qu'on dise quoi? Moi, je le dis les choses, parce que moi, j'ai la position de le dire. Vous avez peut-être pas la position de le dire. Moi, non, je le dis, moi, je suis pas content. Et Juan, là, qui n'ose même pas m'adresser la parole. Laissez-moi tranquille, là, j'ai besoin de faire autre chose. Là je suis pas Dieu là. J'ai bien désamorcé les trucs mais là je suis pas Dieu. Tu prends un quad, let's go. Benef. Petit quad. Ah frère, ils sont beaucoup trop à l'aise wesh. Faut mettre un fire quartier The B wesh. Frère, t'as des flics qui te tiennent par les couilles wesh. Ça n'existe pas ça. Les gangs IRL frérot, les flics ils rentrent dans leur quartier, ils se chient dessus. Et même pour les flics, c'est trop bien. Moi quand je joue avec Orlando,
Hey, j'étais trop à l'aise, je m'ennuyais, je rentrais dans les quartiers, je disais, ouais, tranquille, quartier de l'Afrique et tout. Trop nul, wesh. Mon ref, si les flics, quand ils rentrent dans un quartier, ils stressent, ils se disent, oh putain, là, fais gaffe, on est dans une zone un peu chaude et tout. Bah, GG, genre là, les flics, ils vont avoir peur, ils vont jouer bien, tu vois. Mais en fait, un jour, ça que l'on dit. Beridji. Tu veux quoi? Viens voir. Qu'est-ce que tu veux là? Viens voir, viens voir. Beridji. Il est merdé hier. Il a oublié que vous étiez là, la fière et toi. Il a voulu arranger la chose comme on l'a toujours arrangé à la pointée au barrio avec son terrestre, d'accord? C'est comme ça qu'on a toujours arrangé le problème avec son tresse. La seule fois qu'on n'a pas arrangé comme ça et qu'on a voulu montrer qui on était la pointée, on a pris la misère pendant 2 semaines. Donc, il est merdé. On va rattraper ça et on va lui faire comprendre que le barrio, c'est le barrio de la pointée. Que c'est pas le barrio de son tresse qui vient faire ce qu'il veut et qui sait qu'il peut faire ce qu'il veut dans le barrio. Je vais prendre. C'est bon, t'as terminé? Tu te rappelles pourquoi je vous ai fait venir? Bah si hein, l'inverse de ce que t'es en train de faire. Si, parce que il reste encore Rouen et qu'il y a encore des trucs qui sont pas compris. C'est quoi, c'est même pas moi qu'il faut raisonner hein. C'est les mecs derrière toi hein. Y a des gars qui te suivent toute l'année, y a des gars qui te suivent depuis des années ici, qui bossent pour toi, qui font de la plata, qui passent leur temps à faire de la plata. Je suis le premier à m'énerver contre eux hein. Je suis le premier à les insulter, je suis le premier à les maltraiter. Par contre, quand les mecs les mettre contre un mur, niquer toute leur crédibilité juste pour toi, parce que ouais, je sais pas quoi, t'as peur que Riz il vous mette un coup de pont. Eh, hey, on a peur de rien, Riz il nous met un coup de pompe, on le tue hein. Moi Riz il met un coup de pompe, je le matare. Sache-le. Si, mais il y a 2 mois c'était pas possible Hermano. Donc là maintenant qu'il est possible. Ouais mais là c'est possible en fait, et tu le sais très bien que c'est possible. Mais maintenant il comprend que c'est possible parce que tous les pequeños sont venus me voir et il a compris, il est merdé. Il est merdé ça... C'est pour ça que je m'excuse auprès de toi, je m'excuse auprès de la Fiera. Il est merdé, il y a encore des trucs où je suis en trou du cul et il me rend pas encore compte de ce qu'on a maintenant entre les mains. Remets ta chaîne pointée et viens, on va à la guerre. Faites ce que vous avez à faire, moi je vais faire le truc des Road Knights là, je vais pas me casser le cul contre des poyos. Ils vont juste nous rigoler à la gueule, hein. C'est pas la solution. Hein. Après ce que t'as fait hier, ils vont juste nous rigoler à la gueule, on n'a plus aucune crédibilité auprès de ces personnes là. Quand les autres vont l'apprendre, c'est toi qui vas aller sauver les meubles, hein. Je te le dis, moi je vais pas aller sucer les autres barrios, à leur dire oui, non mais on n'a pas fait ça, mais en fait il y avait un contexte. Et moi je vais leur dire ouais, on a fait ça, c'est pas moi. Ouais, on a fait ça ouais. Et on s'est rattrapé parce que. Parce que il était con, voilà. Ah bah... Hermano, le barrio depuis que vous êtes arrivé avec la Fiera, ça devient un vrai barrio. Je comprends ce que vous voulez faire. Hier, il a oublié. Hier, mais tu vois, non, en fait, on fait 3 pas en avant, t'en fais 12 en arrière, toi. En fait, ça le problème, c'est que nous, on donne tout. Oui. Et bah, hein. Il ferait plus de pas en arrière. Au lieu juste de buter les problèmes, les problémos comme Chupete, comme Pepito, on leur laisse des chances parce qu'on se dit c'est tes amis, c'est tes frères, c'est machin, c'est bidule. Mais en fait non, on aurait juste dû les buter parce que nous on fait tous les efforts et toi tu saccages tout. Regarde, c'est les premiers à vouloir partir en guerre là. Ah, c'est les premiers parce qu'ils ont et même eux ils ont compris que c'est de la merde là, ce qui s'est passé hier. Si, bah si, il a fait de la merde. Il l'avoue, il veut pas le dire 20 fois. Bref, moi je vais me focus sur ce que je dois faire là. Je vais pas le faire tout seul. T'inquiète pas, je vais prendre une équipe et je vais faire ce que j'ai à faire là. Oh mon dieu. Jopido. Il était nul, y'a vous. On a des choses à raconter. Jopido. Ah, je dis quoi ou c'est... Justement là, je vais l'appeler. Je vais l'appeler ce bâtard. C'est pas lui qui vient avec nous? Non, c'est derrière. Là. Si, allô, on va y aller là, on va rentrer dedans. On va commencer à bientôt être prêt et je vous dirai go quand on part, ok? Si, nous on a fait quelques exercices, prévenez genre 2 minutes quand même en avance, hein, parce que à manipuler, ouais, d'accord? Ouais, vaut mieux être en avance qu'en retard. Si, ça marche. Perfecto, a todos. T'as repas ma voiture noire? Si, bah ouais, je suis allé la repeindre, sinon... comme ça après tu peux la remettre en beige. De toute façon, vous avez pas fait rien. J'ai payé 4000 dollars! J'en peux plus. Oh, la famille, c'est quoi le braco là? C'est là, c'est maintenant là. Oh, ça vit, une petite fille. C'est là, c'est le moment, c'est l'instant. Allez, tu peux descendre à la vitente de la colina. Allez, descendez. Oh, vous pouvez me suivre là-bas. Tu veux que je m'occupe des caméras ou pas?
Si, si, tu vas t'occuper des caméras et Talon il va s'occuper de la... Bâtard, va. Eh, là, vraiment. Hijo de puta. Pas de panique. Tiens, Talon. Professionnel. Attention. Perfecto. Oh, mais il aurait trop fait le braquage, moi aussi. Il a besoin de 11 000 balles. Il va falloir que le banquier tourne là derrière. Allez, Timothy, ils veulent pas à nous, ils veulent à la banque, ok? Écoute, écoute, écoute. Oui, je panique, je panique. On ne te fera aucun mal, d'accord? Merci, merci. Ne t'en fais pas. Ok. On n'est pas méchant, on a juste besoin de plata, ok? Ah, je comprends, je comprends. Après, faut que tu prennes ici, là. Prends les chariots et après, avec les. À l'intérieur, là, tu pètes avec la perceuse. C'est d'accord. Putain, ça m'avait manqué cette adrénaline là! Putain, il croit putain, je sors de 7 ans de placard là! Ça m'avait manqué cette merde! Eh, tu vas me gérer les négociations. Toi, tu vas négocier là, je vais voir ce que tu donnes un peu là en négociation. Moi? Ouais, ouais, ouais. Tu vas négocier aussi là. Je vais négocier avec toi, mais tu. Tu vas le faire principalement. Vas-y, vas-y. C'est ok. Va voir ce que tu donnes, oui. On va voir ce que tu donnes sur le terrain. Garde-les là pour le moment, les otakés. On attend que Talon y finisse. Alors, hein. Perfecto, il y a ici aussi. Chicago, Paname, c'est hey, pas Chicago. En ce moment, j'ai soif de sang. Non, tire pas, ça coûte cher les balles. Oui, mais une balle contre une vie, c'est. Si, hola, señor. Bonsoir, monsieur. Tranquilo. Bah écoutez, ça va plutôt bien et vous? Ça va pas, non, ça va pas. Il me vide pas le coffre là. La banque, Dre, plutôt. C'est une banque. Faudrait deux unités en... Une unité en on plus. On n'aura pas deux unités en plus. On va se démerder comme ça. Okay. Eh ouais, bande de bâtards, hein, pas d'unité, hein. C'est ça, vous êtes dépassés, hein. C'est ça de venir à la Colina. Hijo de puta là, poyos. Pas la Colina. Ouais, mais à mettre toutes vos unités à la Colina, ça va vous apprendre. Il n'y en a pas à la Colina, justement, là. Ah, tant mieux, ouais. On y vient, mais il n'y en a pas. Pinche gringo. Mais celui qui t'a mis en ce beatball est arraché. Vous vendez pas des flingues? Mais t'as que quoi? On est en train de faire du business là? Tu arrives avec ta perceuse? Si, si, il va y arriver, t'inquiète. Faut que t'ailles doucement en fait. T'as capté? Étape par étape. On se met de la musique épique, les gars, on se met quand même dans l'ambiance. Je regarde. Même si ça reste une. C'est bon, on est parfait. Même si c'est une flica, hein, c'est un truc basique, mais bon, au moins. Bah ouais, une flica, c'est trop devenu banal en fait, parce qu'on en fait depuis des années, mais c'est pas. C'est pas censé être banal comme ça, une flica. Moi, il me pose dans le coin, il y en a marre de cette soirée de merde. T'inquiète, ça va aller de. Le B? Je les appelle. Eh, tu te moques de l'accent de qui là? Ah bah non, mais vous voyez, vous venez vite quand c'est Pinche comme gringo, ça. Pinche gringo, je t'entends, je suis là depuis tout à l'heure. Je vous appelle depuis tout à l'heure, monsieur. Bon. Juste un truc là, un truc. C'est toi, qui, tu là, veux garder, parce que ça dépend avec qui je suis, il y a des gens qui veulent garder des otages pour se barrer. Deux secondes, seigneur. Là, ce que tu vas faire, tu vas négocier le premier otage contre un côté de la route à libérer. Ouais, ça oui. Et après, le reste, tu gères, de toute façon. Moi, je... Non, j'ai peur, de l'essence, tout. Mais moi j'ai pas peur, juste voir. T'inquiète pas, l'essence on est bien, on est full, normalement on a le plein. Et elle est réparée la coachée. Elle est réparée. Hola pinche cabron. Attends, je vois même pas si on a le plein. C'est moi qui vais négocier. C'est vous qui négociez? Parfait. Si, c'est moi. Parfait. Comment ça, oui, parfait? T'es pas censé être content, hein? Mais si, je suis toujours content quand j'ai un négociateur en face de moi. Bah oui, mais y'en aurait quand même eu un, hein. Quoi qu'il arrive, vous inquiétez pas. On a deux otages. D'accord, est-ce que je peux les voir? Ok, c'est première erreur, tu révèles tes otages direct. Levez-vous là. Suivez-moi. Avancez là. Oui, bien sûr. Je note ces erreurs.
Restez derrière la porte là, restez derrière, derrière. Oui, bien derrière. Bien sûr. Restez là. Voilà, je les vois, ils sont en très bonne santé, ils ont juste un peu faim. D'accord, est-ce que je pourrais avoir les identités? Alors là, y a Timothy Wood. Ton nom, Draco. Draco Malfoy. C'est quoi ton nom, toi, le. Draco, toi là. Lui, c'est Timothy Wood et lui, quoi? Draco. Et l'autre, Draco, Draco. Oui, mais. Ah ouais, là, Draco. C'est bon, il va pas poser de questions, lui. Draco et Timothy Wood. Faut penser à la preuve aussi. Quelle preuve? Après, si le plan il marche pas, ils iront faire des mules, hein, mais bon. Tu t'en sors? Si, c'est bon. Je vois doucement. Perfecto. Moi, je comprends. Si une fois qu'ils sont sortis en vie, bah nous, on sera libre. C'est compréhensif, je comprends. Allez, retournez au fond. Oui, monsieur. Retournez au fond, là. On y va. À la limite, c'est très bien, oui. Et vous, là, parlez-nous un peu de vous, là. Vous êtes qui? Moi? Tu veux que je dise ce qui? C'est une putain de braqueuse qui a soif d'argent. D'accord. Voilà d'accord. Qui je suis. D'accord. T'as pas besoin d'en savoir plus sur moi. Moi, je t'en pose des questions. Putain, poyance! Allez-y, posez-moi des questions. Tu t'appelles comment? Moi? J'en ai rien à foutre! Bah voilà, vous voyez? Voilà. Tout ce que je veux, c'est prendre ma putain de thune et me casser d'ici, c'est tout. Pour l'emmener où? Tu poses un peu trop de questions à mon goût, là. Oh, je vais passer le temps. Pour l'emmener au Mexique. Au Mexique, d'accord. Chez ma tante. Chez votre tante. Exactement. Hijo de puta pollos! Je vais une voix et je me rends otage. Oui, bah, je vois que les policiers, ils ont d'autres choses à faire, de plus important. C'est bon, Armand. Si. Ok, perfecto. Donne-moi les choses. Le. Il y a de l'argent. Oh, ça, c'était à moi déjà. Ah, donc t'as que les petits lingots là? Si, c'est les deux paquets. Si, ok. Perfecto. Attends, il t'en reste encore, t'as vu? Où? Non? Si, attends. Les gris, les lingots gris. Ah, mais c'est de l'argent. Ouais, d'accord. Non, je te parle pas des dollars. D'accord. Okay. Garde les otages là en attendant, du coup. Si, par favor. La voie de gauche, super. Écoute, je vais ramener un otage. Oui, bah attendez. Je vais les chercher. C'est des rookies aussi, les braqueurs? Non, les rookies, c'est vos flics. C'est l'entièreté de vos flics, les rookies. Ça marche. Bon, celui qui a le plus faim des deux là, qui est pas bien, qui me suit. Eh ouais, bâtard, on prend toute ta richesse. Hein, ton gros PEL là qui est ici là, on l'a volé, bâtard. Doucement. Hein, ton assurance vie là, dans mes poches. Vas-y, Timothy, t'es libre, cours, merci. Petite biche, cours. Merci à la famille, merci. Voilà, regardez, il est tout content. On l'a bien traité, nous on traite bien les otages. Ah bah c'est juste les flics qu'on déteste, nous. Ah bon? Pourquoi? J'ai battu avec des flics. Ils ont dit trip agression. Hola! Si, hola! Vous êtes bientôt prêt? Tout me dit go et j'y vais. Perfecto, on va bientôt sortir donc je t'envoie un go par SMS. Quand, oui? Quand tu me dis que c'est good, ça veut dire que c'est le moment où je peux passer. Où vous êtes okay. Totalement en place. Moi j'attends votre good pour m'approcher de vous. Ok, je vais tourner ça pas loin et ok? Ça roule. Si, perfecto. À tout à l'heure. Voilà, exactement. Il y a quelqu'un en dessous de vous, non, les flics? Comment ça? Il y a toujours quelqu'un en dessous d'un flic. Oh, il y a une hiérarchie, oui. Bon, trêve de plaisanterie. Ok? Ah, vous avez l'air vraiment d'être pressé quand même, hein? Oui, je suis pressé, j'ai pas que ça à foutre. Putain, on va peut-être demander les heures de vol, là, direction le Mexique, là, à l'aéroport. Ta gueule, toi, pinche gringo. C'est un aéroport. Hein. Bon. Tu t'es trouvé drôle, c'est bien, tu fais des petites blagues, ça te fait plaisir. Le deuxième otage, on va le garder près de nous. Et il va nous suivre, ok? Là, vous avez combien de véhicules? Il y a 3 véhicules qui vont nous suivre? Non, il y en a que... 2, ok, très bien. Ben voilà, ben on va s'en servir comme appât à poisson. Ou la carotte pour l'âne, comme vous voulez. Vous allez partir d'ici combien de temps? Quoi? Vous allez partir d'ici combien de temps? On va partir d'ici combien de temps? D'ici combien de temps? Ah oui, ben là, on va partir, hein. C'est bon, non, le B? Si, perfecto.
On va y aller. On va, bon voir, on va ramener l'autre otage là. On va prendre nos affaires. Ouais. Tant que j'ai l'otage, moi ça me va. Ramène-le là, on va sortir. C'est vas-y, viens. Hein? Les petits fonctionnaires! Hein? Alors, ça dépend, mais. Petits fonctionnaires de merde! T'inquiète pas que je récupérerai mon PEL. PEL, ton PEL. On récupère un front d'avant. Allez, prendre ta paye de fonctionnaire et nous, on va être riches, nous! Oui, je vais m'acheter des dents en or avec ça! Fais attention, il part sans vous, votre collègue! Pas de panique! Pas de panique! Toi, tu... Écoute, écoute là, le gars à côté de la côtière. Tu vas nous suivre, tu vas courir à côté de la côtière? Et à partir de, je te dirai quand c'est bon, ok? Tu nous suis. Si. Allez, viens. Vas-y, vas-y, ok. Bon bah, à tout à l'heure, on se dit. A oui. Todos. Certainement pas. À tout à l'heure. Ah mais la grave pas suivi. Ok, perfecto. Ok. Ce qui va être plus dur, c'est carrément de réussir à les avoir encore jusqu'au plan. Parce qu'en général, ils se mettent dans le décor tout seuls. Tu parles de qui? Les Poyos. Ah oui, bah oui. Non mais, je crois les deux poursuites que j'ai fait avec toi, on les a semées en 30 secondes. Si. Bon, c'est... Perfecto, le plan est mis en place, on va pouvoir y aller. En vrai, le plan, c'est juste pour le show, hein. Si, après... J'ai pas besoin de ça. En vrai, si, avec une primo, compliqué. Mais la primo, elle va vite, quand même. Si, mais l'erreur est vite arrivée. Y a pas que la vitesse, faut qu'elle tienne la route et tout, tu vois. Si, non, si, la plus dangereuse, c'était avec la Bugatti, ça c'était dangereux, ça. Ah, c'était dangereux, sa mère. Hein. Vraiment, la Bugatti, j'ai stressé. Hein. On prenait un papillon, on était au sol. Surtout que j'avais deux coachés, là, les blanches, là, celles qui roulent très vite. Là. La patronne. J'avais deux comme ça au cul, avec des mecs qui étaient solides sur les appuis. C'était compliqué. T'en as fait quoi de cette voiture du coup? On l'a revendue. Ah oui, c'est vrai, tu nous as pas dit ce que tu avais fait. On l'a vendu, on a blanchi l'argent, donc on a pas fait énormément avec, mais... C'était l'équivalent de deux flics. Hein. Oui, oui, c'est quoi ça? C'est trop de balles. Peut-être des pointés du coup. Non, je crois que c'est... Ah, c'est des mecs qui sont venus au barrio pour... Ouais, je les ai vus. Il était greffé chez eux. Tu sais, Virgil, la dernière fois pour la Flica, on avait demandé, enfin j'avais négocié, j'avais demandé, enfin on m'avait dit de demander pour pas qu'il y ait d'hélicoptère. Si. Ça, je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose parce qu'il y avait quand même eu un hélicoptère à la fin. Bah, en général, ils vont pas forcément mettre un hélicoptère sur des braquages de banque, mais. Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça. Le spectacle. Hélicoptère, en vrai, pour moi, c'est vraiment pas difficile. C'est pas une difficulté d'avoir un hélicoptère. Vous leur avez dit de se mettre en place? Si, ils sont en place là, ils m'ont dit go. Okay. En fait, il y a une question, il faut faire quelque chose pour le plan. Parce non, rien à faire, regarde, juste observe. Parce que toi, en plus, t'es pas au courant du plan. Si. Ouais, juste, c'est une surprise. C'est la surprise du chef. Mais du coup, j'avais demandé ça, parce qu'on m'a dit de le demander, mais ça avait servi à rien. Ouais, j'ai avait écouté des négociations, je vais te dire un peu les erreurs que t'as fait. Il y en a eu quelques-unes, mais c'est pas... Ça a pas après, foutu le braquage en l'air. Après, j'ai pas l'habitude de négocier. C'est pour ça que je l'ai pas fait, parce que je sais que t'as pas l'habitude. Moi, je suis là en soldat dans l'intérieur de base. Tu sauras faire des nouvelles choses, au moins. Oui, bah oui. Pas de problème. Regarde comment je les trace. Allez, le plan est en marche. C'est maintenant. Ils sont trop serrés. Putain, ils ont pris. Oh, il est passé. Quoi? Oh, bordel. Ah, mais non, ils sont avancés. Ah, bah. Ils ont raté le plan. Hein. Je leur ai dit de se mettre en place. Non, je vais essayer de les semer. Par contre, ils sont. En fait, ils n'arrêtent pas de bouger. Je leur ai dit de se mettre quand même en place quelque part. Je sais pas pourquoi ils ont voulu bouger le plan. T'as juste à le mettre et tu bouges pas. Vous étiez mal placé. Dis-leur de ne pas bouger, dis-leur de se replacer bien. Replacez-vous bien, on va replacer. Vous n'étiez pas assez collé, il y en a un de deux qui a bougé. Dis-leur, en fait, placez-vous à l'avance. Mais faut vous placer à l'avance et ne plus bouger. Et ne plus bouger, okay, c'est ça. Il faut vraiment que tu sois collé, pas trop. Je pense que c'est peut-être le cas qui a bougé, peut-être. Mais il y en a un des deux qui a bougé. Ils ont pas écouté.
Vas-y, on va repasser, on va repasser. Remets-toi bien. Dans 10 secondes. Dans 10 secondes, on est là. 10 secondes. Hein. Vas-y, à toutes. Ils ont dit qu'ils étaient bien placés, je sais pas si c'est nous ou... Non, bah, ils étaient trop écartés en fait, faut vraiment être serré. Faut que les deux, ils se touchent, mais sans plus. On va voir, hein. Passe au plan nul. Ah ouais, ouais, en fait, ils foncent dedans. Ouais, c'est parce qu'ils foncent dedans. Là, là, ça bah, passait pas, hein. Là, il passait pas, hein. Mais c'est juste qu'il a foncé dedans. Non, il a foncé dans... Vas-y, je vais lui dire de laisser tomber. Ouais, ouais, il abuse. Il se fonce dedans. Dis-lui avec son flatbed, il me prépare un plan mule. Comme s'il faisait 10 kilos. Bah oui, oui, je sais, on a vu. Préparez-nous un plan mule, si vous êtes chaud là. Prenez qu'un véhicule tous les deux. Dommage, frère, il fonce dedans. Et préparez un plan mule quelque part, ok? C'est pour ça qu'ils auraient dû se mettre dessus, parce que quand tu fais tomber un joueur, bah le mec. On refait une dernière fois et nous on va réavancer ensemble, histoire de bien niquer sa route, tu vois ou pas? Tu veux qu'on réessaye? Vas-y, dis-lui, on va arriver de l'autre côté. On arrive de l'autre côté, ok? Si. Vas-y. Ils vont essayer de resserrer avant qu'ils arrivent. Faut leur mettre peut-être une pointe. Les gars, on est jamais mort. Avec une primo, je suis à l'aise, frère. C'est bombard, je sais pas pourquoi ils bombardent comme ça. Ils ont dû refaire le handling parce qu'une primo, ça roule pas aussi vite normalement. Ah, elle est full custom, hein, mais franchement, elle roule, hein. Ou alors c'est parce que je roule pas en primo depuis longtemps, mais... Là, je pense que s'il resserre, c'est bon. Il y a peut-être un autre. Moi, j'ai trop peur d'Inglewood, hein. Ça me fait vraiment peur, cet endroit. Ah, désolé, désolé. Laissez partir. Attention, parce que je pense qu'elle fume vite, la primo. Surtout qu'en fait, quand tu tapes le pare-choc avant comme ça, là, à partir de maintenant, je bouffe tous les trottoirs, là. Ah ouais? Ah oui, le pare-choc ça a baissé si. Ouais, ça baisse. Ah, pas tous les trottoirs, mais une bonne partie. Ouais, qui a cartonné, il t'en a plus qu'un derrière. Ah, on force avec notre plan, il va encore foncer dedans. Il le serre vite en fait. Ah ouais, ça c'était pas un plan mule, ça c'était un plan suicide, ça. C'est ce plan de fou là. Il a abusé ce bâtard. C'est sûr, c'est Kekhead, c'est sûr, c'est Kekhead. Je te jure, c'est sûr, c'est lui. Il a explosé, frère, il a abusé. Du coup, mes erreurs, c'était quoi? J'ai envie de savoir. Non, je vais t'expliquer après. Laisse-moi me sortir de cette histoire-là déjà. Là, on en est sorti, non? Il n'y a personne derrière ici. On sait jamais, on sait jamais. Ils peuvent te rattraper. Hein. On est toujours dans le même secteur. Ouais, c'est vrai. Ça, c'était un vrai resserrement, ça. Ouais, hein. C'est dommage parce que ce plan de base, il passe sans aucune. Ouais, ils sont derrière moi. Ils vous poursuivent? Si. Ok, dis-lui qu'on va essayer de le récupérer. On va essayer de vous récupérer, on pose tout. Bah, il l'a raccroché. Raccroché, je sais pas. Parce qu'en fait, là, les gars, ce plan, normalement, il passe à 100%. Si, normalement, il passe à 100%. C'est juste que là, le mec, il a foncé dedans direct. Et la première fois, c'est juste qu'ils étaient mal placés. Si t'es bien placé, y'a aucun poyos qui passe. Y'a que la ruineur et la primo qui passent. Sinon. Les autres, ça passe pas. Je l'ai déjà fait, je l'ai déjà réussi ce plan même. Bon, perfecto. Après, Quetzal est là. Allez, moi bien. Posez vos armes, on va aller chercher. Attends, mais il nous faudrait une coachée là.
Il nous faudra une coachée là. On le prend que en cas de. Genre, y'a là les poyos devant. Ils vont nous tirer dessus. Hein. Ouais. Mais c'est parce qu'on est les seuls, on est les seuls à pied. Hein. On va être les principales proies. Y'a les autres. Vamonos. Attends, mais y'a qui sur ce coup-là? Toute la colline. Donc, Barrio 18, Mara et nous. Ah, t'as pas vu quand même. Par ailleurs, jusqu'à ce que Babylone prenne peur, pas peur d'y perdre la peau. Regarde les lois devant moi, élaborant les phrases de guerre. Je te vois à pied, Todos, là. Pour savoir. Dis la fiera, je te le gérerai. Vamonos. Oui, mieras. Ilou, you. Qui? T'as l'air de masquer les manades. Moi, je me masque, hein, les gars. Je sors de 7 ans de placard, les gars. Non, allez-y, démasquez-vous. Moi. Je t'en garde à vue il y a quelques jours, j'ai pas envie d'y retourner. Oh, on va pas les couilles, c'est quoi, placard, pas placard. Rien à foutre de la garde à vue, rien à foutre. Salope ou quoi, Berigi? Tu te masques. Je suis pas une salope, hein. Je sors de 7 ans pour assassinat. On est des voyous pas l'intérim, c'est ça, les gars? Vamonos. On est là pour éteindre. Masquez-vous si vous voulez. J'ai trop envie de lui jeter sur le bon visage découvert. Y'a pas de fin. Il est où, Talon? Démasquez-moi, bats les couilles. Mec, c'est tapé. Camilo Salazar, moi. Camilo Salazar. Il est où, Talon? Ouais, nous, on a un gang, on a un signe de gang. Camilo Salazar, c'est la famille Salazar des BG8. Mais c'est Beryl, c'est. C'est. Et Camilo Salazar. C'est. Ouais, c'est pour ça, un problème. Dit... Envoie un message sur lequel, nous. C'est pour ça, j'ai lui ai dit, dis-lui à ton prénom. Avec quoi? Wesh, le raid de en de fou. Je t'atteindrai, mon frère. Mais non, on a pas de masque. Oh, mon frère, merci pour le raid de 20. T'es un brave. C'est Alan. On fout le bordel au poste, mais là, on a plus rien là. Mais venez, on est tous au même endroit. T'as un problème, merde. On est dans le gros quoi. Devant le gauche. Ok, on arrive. Il se passe pas à nous, les gars. Ah, ça s'insulte fort, les gars. Les marins qui se masquent. Vas-y, fais le signe des varios. C'est ça, le signe des varios. Non, c'est compris. T'as pas compris. Ta gueule, c'est ça. Ta gueule. Les gars, on est là pour la même cause là. On va tous les éteindre, les poses devant là. On réglera ça après. Mettez notre signe, c'est le meilleur. Lève les bras. Il est grave tendu. Il est en pierre. Attendez, ils sont les émeutiers, putain. C'est grave à maudit. Oyos de mierdas. Ils manquent la vie de ma mère. Ils sont les émeutiers là. Je te jure, c'est. Même hier, le rodeo, c'était trop calme. Sur un culot, de toute façon, on va attendre qu'ils arrivent un peu. Vas-y, pour le gars. Moi, j'ai dit, moi, je suis chaud de brûler une voiture de keuf par molotov. Hein. Voilà. On prend une voiture et qu'ils aillent se faire enculer. De toute façon, on va charger la fière. Faut les harceler chaque jour, les gars, c'est plus amusant. Juste quelqu'un vite fait pour lui donner quelque chose. Parce qu'en fait, tout d'un coup, va nous péter dessus. C'est sa mère, notre signe. Comment ça, elle va nous péter dessus? Tu vois, on attend quoi pour la rentrer dedans là? Non, ça crame. Ouais, c'est vrai que tu l'as dit. Si, ça se consume aussi. Ah merde! Ah oui, attends, j'avais pas ça. Je vais prendre ma fumigène. Attends, Liu. Qui c'est qu'un petit fumigène à me dépanner là? Moi j'en ai qu'un. Notre signe, on dirait pas on est des handicapés. Attendez que toi, Talon, depuis... Si. T'es traplégique là. Oh les bâtards. Venons les encules, s'il vous plaît. Venons, on leur balance des molotovs. Berigi, tu glisses ou quoi? Faut se garder la pêche, hein, Ah les gars, par contre, lui on va l'exploser, hein, son. Mais on va l'exploser. Viens, on fout des molotovs. Vas-y, mollo, vas-y, c'est bon, allez, go. Vas-y, venez les molos. Hijo de puta! Oh, j'ai flop. Vas-y, bougez. Oh, j'ai flop, il m'a mouillé. Ça tire. Hey, il tire! Ma mère, il tire comme si on était des pigeons. Wesh! Pourquoi c'est automatique? Mais wesh! On est des lapins, c'est bâtard! Hey, il tire pour tuer là! Cachez-vous! Mais parce qu'il nous tire dessus, j'ai pas le temps! Ils ont tué des marins! Ils ont battu des gens! Moi je reste là, je l'ai éteint. S'il te plaît, Berry. Eh, la buffée en brûle. Ah, tu vois là, j'ai un pétard là. Passe d'autres molos, s'il te plaît. J'en ai pas d'autres, il m'en reste qu'une. Y'a plus de molotov là? Non, y'en a plus, hein. Ouais, frère. Attends, moi j'ai retour. Putain, les fils de pute là. Attends, mais ils ont craqué sa grand-mère. Hein. Ils veulent nous abattre là. Là, j'ai plus rien là. J'ai que mes mains. C'est un marat. Moi je t'ai. Aïe! Recule là, recule bâtard là, recule! Recule bâtard!
Eh, bouge de là, je t'ai dit. Et mais lui, je vais le kick, hein. Eh, lui, 74, c'est une dinguerie, hein. Regardez, wesh. Regarde, il me tire dessus, wesh, à vue. Par pitié, wesh. Eh, les gars, c'est une dinguerie, hein. Ça continue à partir avec des individus. Eh, les gars, je vous jure, c'est une dinguerie, wesh. Ils sont en, fait, ils sont en gunfight, là. Mon dieu. Attends, y'a la fière là-bas. Gros, on m'a dit que t'avais merdé, gros. J'ai merdé de rien du tout, hijo. C'est eux, ils ont merdé, hein. Eh, si tu savais ce qu'ils ont fait. Vas-y, après, on en parle. Ah, oh, bah, t'es là. Je suis là, c'est. Tu étais où? Bah, je me suis fait tirer dessus, hein. Tu sais que t'as vu ce qui s'est passé? Bah, j'ai là, hein. Ça a lancé des molos, ils ont tiré au pigeon. Je me suis pris des balles, hein. je me suis mis au sol pour éviter de me faire canner, quoi. La Fiera, dis-moi. Ouais, dis-moi. Qu'est-ce qui a mis en place cette putain de roue de merde, là? C'est Juan qui l'a volé hier. Et d'ailleurs, si tu veux tout savoir, hier, quand il l'a volé, il a ramené todos los pollos ici. On a fait les pneus d'une coche de pollos. Et quand on a fait les pneus d'une coche de pollos, il y a un certain sergent, là, qui s'appelle Riz, qui a dit à Juan... Il lui a dit qui a fait mes pneus, trouve-moi le mec qui a fait les pneus, sinon moi je mets tout le monde contre le mur. Il a pris Riz, il a mis toute la pointée contre le mur, il a dit qui a fait les trucs, donc Talon il a dit c'est moi. Et Riz il lui a dit tabasse-le sinon moi je vais lui tirer dessus. Il a pris une clé à molette et il l'a tabassé devant les Poyos, devant les Colombiennes. Les Colombiennes qui sont d'ailleurs l'organisation criminelle avec lesquelles on travaille le plus. Ouais, il m'a dit l'affaire. Devant les Poyos, il a mis tout le gang face au mur. Ça c'est vraiment un truc que je n'accepterai jamais, hein. Mais ouais, on le sait. Bah, tout part de cette putain de roue de merde, en fait. Ouais, bah, quand je dis que c'est une mauvaise idée, sa roue de merde, mais bref, il veut garder sa roue de trou de balle. On la voit depuis New York, c'est ça, en fait, le truc. On voit le cirque de la Pointée depuis. C'est pas le cirque Pinder, c'est le cirque Pointée. On le voit. Ouais, mais cette putain de merde. On le voit depuis la Maze Bank. Je peux rien faire, moi, comment tu veux que j'enlève ça? Moi, je peux l'enlever, hein, t'inquiète pas. Ouais, faut l'enlever, cette putain de merde, là. Ça va faire sur la plage, sur la beach. On n'est pas des beach. C'est ça, non. Va mettre ta chaîne, toi. Ouais, c'est vrai. La chaîne, elle est chez moi, je la mettrai pas tant que Juan, il a pas sauvé les meubles de cette histoire, là. Moi, je porterai pas la chaîne d'un gang qui met ses gars contre le mur. Jamais je vais être affilié à ça, et la Fiera, tu devrais être comme moi. T'as vu, moi, là, tout ce que j'ai fait aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Pourquoi je me... Tu sais que je devais même pas être d'accord, mais ce n'est encore une fois, comme je te l'ai dit une fois déjà tout à l'heure, c'est pas à toi. S'il a pas les épaules, il a pas les épaules. Tu prendras le flambeau. Ok? Par contre, si il a les épaules, il va le montrer qu'il va remonter quelque chose de bien. Moi, je ne mettrai pas la chaîne avec écrit Pointe Tressé, montrer mon appartenance face à des gens qui vont se foutre de ma gueule parce que je mets mon gant contre le mur. Moi, je vais te dire, t'as vu ce soir, même si oui, c'est moi, c'est de mon initiative et tout ce que tu veux. T'as vu, là, les collaborateurs, toutes les grosses têtes avec qui on bosse, ceux qui sont venus là, les deux. Là, c'est bénéf pour nous, on va dire. Là, ça a perte. Oui, ce qui va se passer, ça a perte pour nous. Mais tu vois, pareil, moi, là, Juan, il est en mode, oui, on va se venger et tout. Je vous ai dit, ça sert à rien, on va se faire allumer. J'y suis allé, on s'est fait allumer. J'ai pris une balle pour cette merde. Mais tu sais ce que j'ai dit tout à l'heure quand on était avec eux? J'ai dit, préparez-vous, on va se faire péter le cul. Mais par contre, t'as vu, le nerf, il passe devant tout. On va montrer qu'on n'est pas des salopes. Et t'as vu, mais on passe un message à tous les autres. Et pareil, qu'on réunit tous les autres autour là-bas et qu'on leur donne des choses et tout. Tout ce qui se passe là, pareil, on se met en avant. T'as vu ce que je veux dire ou pas? Genre, il y a si, quand même peut-être, du... hein, mais moi, je te le dis, hein. Oui, je sais, ça remplace. Je vais vous dire un truc à vous, là. Je vais vous dire un truc à vous, parce que vous devez le savoir, vous devez surtout le connaître. Il y a Irving, ici, là. Irving, mon frère. Il est venu, là. De toute façon, t'as déjà... Encore là, c'est ton cul, Irving, c'est mon frère. Enfin, mon frère. Je me l'ai pas dit. Ben, parce que je devais t'en parler, j'ai pas eu le temps de t'en parler. Irving, c'est pas vraiment mon frère, c'est un afro, je suis un latino. Tu sais très bien que je me suis fait adopter, là, par une famille que j'habitais à Chicago. Quand je me suis fait adopter, ses parents, c'était les parents d'Irving. Du coup, les parents d'Irving sont mes parents. Adoptif. Et c'est son père d'ailleurs que j'ai tué. C'est pour ça que je suis allé en tôle. Donc sache que Irving, il veut ma peau et moi, je veux sa peau. Parce que toi, t'as l'habitude, la Fiera, de m'appeler Berry. Et tu le fais d'ailleurs toujours, ça me dérange pas parce que c'est toi. Mais tous les autres, je leur dis Berry G. Tu t'es jamais posé la question de pourquoi il y avait un G? Bah si, mais je me suis dit, ça te regardait, et si tu m'en parlerais pas, bah tu vois, ça me regarde pas. Et ben la personne avec qui j'ai fondé les Latin Disciples à Tucaville, à Chicago à l'époque. Ah ouais? Gustavo.
mon meilleur ami, qui a été tué par Irving et son équipe de 6 blocs. Donc moi, pour me venger, j'ai tué son père. Et du coup, là, vous êtes en... Ok. Voilà. C'est pour ça qu'il m'a fait le choquer quand j'ai dit Iberi. Si. Et c'est pour ça que Bella, quand elle m'a dit Irving et les 6 blocs, j'ai... T'as fait lien, ouais. Voilà. Mais, sache une chose. C'est moi, comment, là, entre vous, là, du coup? Ben, moi, je suis allé le voir. Ben, tu le sais pas, mais je suis allé dans son barrio, là, il y a quelques jours. Je suis allé avec un pétard, masqué, capuché. Je suis rentré dans son barrio, je l'ai chopé. Malheureusement, ça a un peu mal tourné parce qu'il y avait tous ces gars. Donc, je suis rentré dans la boucherie et on a une discussion. Pendant cette discussion, il y a les poyos qui sont arrivés. Et j'étais entouré de tous les côtés dans la boucherie. Et du coup? Ben, je l'ai pris en otage. Je l'ai pris en otage, on a eu notre discussion. À la fin de la discussion, je l'ai lâché, je me suis barré. Je me suis pas fait attraper. Donc, moi, je te le dis. Hein. Moi, là, à Los Santos, là, je joue ma vie. Et là, je peux mourir. Et tu sais très bien l'âge que j'ai. J'ai 25 ans déjà. Je suis déjà bien avancé dans la... On l'est tous. Pour un gangster. Et moi, je compte pas porter une chaîne autour de mon cou. Et que Irving se dise, ah, mais en fait, lui, il a fait le mauvais choix. Lui, il a laissé tomber les disciples pour truc. Ça, tu vois. T'as vu, actuellement, t'as vu, c'est quoi, c'est 6 blocs, c'est ça? Actuellement, si c'est ce qui te fait peur, si c'est ce qui te tient vraiment à cœur, je te le dis, t'as pointé largement devant les 6 blocs, sur tous les points, sur tous les aspects. T'as vu, toi, t'as pas discuté avec eux quand il fallait parler. Moi, j'ai parlé avec eux, t'as vu, quand ils sont venus me voir pour me supplier d'aller arracher les sacs et qu'ils étaient sur Vainou, tu vois. Et j'ai fait exprès de rien dire pour justement aller leur péter le cul après, tu vois. Et quand ils vont venir chouiner, bah, je vais justement bien nous mettre en avant, tu captes? Donc par rapport à ça, t'as vu, toi, ça impacte si, en rien du mais tout. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'a fait Juan hier, si Riz, il va en parler, si la rumeur c'est est tout. Boyos. Si c'est un boyos. Oui, mais justement, il a tout intérêt à nous mettre des bâtons dans les roues. Il a mis des gens contre le mur, je sais pas quoi. Ok, d'accord, qu'est-ce qui s'est passé après? On est parti, on a fait des émeutes. Qu'est-ce qui s'est passé après? Les on a tiré. Peuvent le dire, ça peut circuler, tu le sais très bien. C'est... Bien sûr, à partir du moment où il y a une personne avec qui ça fuite, ça peut considérer que c'est déjà parti partout, bien évidemment. Et c'est pour ça que moi, déjà je suis énervé. Moi j'ai une chaîne autour du cou, t'as vu? Et moi je la considère. J'en ai... Ouais, mais faut que tu comprennes tu un truc, la fière. Et que toi tu la mettes pas, je prends sur moi. Non, énormément. Mais faut que tu comprennes un truc, la fière, parce que j'ai l'impression que vous comprenez pas. Et moi je suis pas un pointé à la base. Moi je suis là. Ouais, mais mon gars, à la base, moi je suis un Latin disciple, moi. À ouais, la base, mais t'as signé. T'as je suis allé en tôle, j'ai rencontré la Puente, ça s'est bien passé, je suis devenu un grandé, j'ai géré les affaires depuis l'intérieur et on s'est connus, et etc., etc. Mais tu sais ce qu'il y a pas de souci, je suis fier d'être un Puente. Oh, mais aujourd'hui, et moi, comme je l'ai dit, hein, j'aurais aucune peine d'en tuer ici, et j'aurais aucune peine. Moi, j'ai confiance en personne ici, à part toi et Benji, tu vois. Mais c'est pour ça que je vous parle à vous deux. Mais sache que j'ai confiance en personne dans ce barrio. Et j'aurais aucune peine à les tuer, et j'aurais encore moins de peine à ne plus être une Puente. Parce que la Puente n'a rien fait dans ma vie. Moi, si je veux, je retourne refaire la Chini Cycle, hein, tu vois. Ouais, dis-moi. Ah, attends deux secondes. Je capte ce que tu veux dire, Beridji. J'ai capté la tournure d'où tu veux en venir. Depuis que je suis arrivé, c'est vrai que je parle pas beaucoup, j'analyse, j'observe. Et il y a des choses à faire, mais il y a beaucoup de manquants. Il y a beaucoup de manquants. Il y a des pièces qui manquent. Il y a du manquant, mais surtout, hormis le fait qu'il y a du manquant, qu'il y a des cabrons là dans ce quartier, ils savent pas bosser. Hormis ça, regarde comment c'est tu peux être une réfé et mettre tout ton gang face à un mur devant les poyos et devant une organisation et les humilier comme ça, la crédibilité qu'on bosse depuis des mois, on fait en sorte que tout le monde ait de la crédibilité. Comment on fait? C'est inacceptable, c'est inacceptable ça, Beridji. Je suis ok avec toi. Là, ce qu'il a fait, franchement, c'est pas possible. Impossible. Moi, je te le dis. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite là de ça? C'est quoi? Je sais pas. Moi, je te mens pas. Hier, j'ai pété un câble au moment venu. Je lui ai dit, tu ne peux pas faire ça. Je lui ai dit, c'est mort. Je lui ai dit, tu ne feras jamais ça. Je lui ai dit, tu les mets en ligne, moi je me casse. Il a dit, c'est moi le chéfé, nanana, nanana. Je lui ai dit, ok, j'ai enlevé ma chaîne autour de mon cou, je l'ai jeté par terre. Il pense que là, le lendemain, je vais revenir avec ma chaîne autour du cou et dire, yo les gars, ça marche pas comme ça. Hier,
Moi, je suis une grande, je suis pas une pequeño. Moi, tous les pequeños hier, ils sont venus me voir quand je me suis barré. Ils m'ont tous retenu, ils m'ont dit, Berigi, parle pas, on a besoin de toi. Berigi, nous aussi, on est contre Juan, contre ce qu'il a fait. Nous aussi, on n'accepte pas ce qu'il a fait. Tout le monde est d'accord. Ouais. Au bout d'un moment, s'il n'a pas les épaules pour me montrer là, tout de suite, là, dans les jours qui suivent, s'il n'a pas les épaules pour rattraper son erreur, pour moi, il n'est pas légitime à être effet. Faut lâcher ça. Je suis ok avec toi, faut lâcher ça. Mais qui reprend? La Fiera, la question, moi, ça me dérange pas. Moi, je ne serai jamais jefe pointé, que tu le saches. Moi, si j'ai un jour, je suis jefe de quelque chose, c'est la Team Disciple. Ce qu'on faisait à la base, toi et moi. Ouais, je m'en rappelle. C'est terminé, cette histoire de pointé. Moi, je ne suis pas l'image de la pointé. Je n'ai rien à voir avec la pointé à la base. Je suis là parce que ça, ils m'ont aidé, ils m'ont fait sortir. En tôle, ouais, voilà, je connais. Il y a eu des choses qui sont passées, j'ai une attache. Maintenant, jamais. Jamais je laisserai mon image à moi, Berigi, se faire entacher par un mec qui a mis tout son gang contre un mur. Écoute, à la limite, pourquoi on retourne pas à la Chain Disciple? Pourquoi on se casse les couilles ici? Ah, c'est... Bah écoute, à ton avis... Je comprends. Moi, j'ai quoi dans la tête depuis hier? Ouais, mais je comprends. Mais j'ai une dette envers eux, tu vois, déjà, je suis pas une héroïne putain. Capté. Moi, déjà, je suis pas une héroïne putain, mais là, hier soir, je me suis posé, je me suis regardé dans la gueule, je me suis dit, mais écoute... La Chain Disciple, qu'est-ce que c'est fous ici? Mais tu sais pourquoi? Mais tu marches avec quoi là, Berigi? Avec une putain de canne, gros. Ouais, après... À cause de quoi? Excusez-moi. Moi, le problème, c'est que déjà, j'ai une dette envers la pointe. Et hormis ça, tu sais très bien que Chicago, en vérité, c'est mon seul ennemi, tu vois. Genre moi, j'ai la Chain Disciple, je suis content d'en être loin. Parce que déjà, ça me rappelle Gustavo. Et en plus, ouais, ça me rappelle... Tu vois, toute ma jeunesse à Chicago, là où je n'ai pas voulu vivre. Tu vois, moi, j'aurais préféré être à Tijuana et j'aimerais bien encore y être à Tijuana. Mais là, j'ai pas eu le choix. Je suis tombé en taule aux US. Il fallait que je sorte ici. Maintenant, j'ai une dette envers la pointe. Je suis là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai plus envie de porter le nom Latin Disciple. Mais si Juan n'est pas capable de rattraper son erreur, moi, je vais aller faire autre chose. Hein. Allô, Fira, il est énervé. Hein. Il est énervé. Faut... Si, on attend avant de le relâcher pour toi ou pas? Non, là, il parle sur t'as dit quoi? Que là, on est face à eux, là, depuis plus talonne. Ou moins 10 minutes. Ils ont talonné et nous, on a BZ. Non, bon, j'ai dit qu'on allait t'attendre pour t'as parler. Il est là face à toi ou pas? Non, il y a son bras droit. Bon, bah, dites-lui, ça y est, lâchez-le. Hey, dites-leur juste que là, Vanoud, nous, on fait partir des tonnes tous les jours et que eux, ils font rien. Dis-leur que ça va pas tarder. Tu veux que je te mette en parleur, là, vite fait? Non, passe le message. Je vais pas commencer à faire le facteur. Mais tu leur dis juste que Vanoud, ça dure depuis trop longtemps. Que là, nous, on fait partir des tonnes et des tonnes chaque jour et qu'on ne voit pas un seul de leurs pochons dans le nez de nos clients. Donc, ça va se terminer bien vite et qu'ils ont intérêt à bouger leur cul d'ici avant que ça tourne mal. Vas-y, je leur dis, vas-y. Perfect. Tu vas où, bâtard? T'es mort? Il est con. Aïe! T'en as autant marre que ça de la pointe? Ça me fait de l'écoute! Ça t'a saoulé ou quoi la pointe là? Putain, j'ai pas fait non. Je sais pas, je voulais voir. Elle est là, Chain Disciple, ça avait commencé depuis 5 minutes! <C'est> déjà... Attends, on peut pas remonter par là, les escaliers ils sont cassés. Ça pute de merde! Ah! Ouais, j'ai capté ce que tu veux dire, Berigi, mais c'est qu'une question de temps, en vérité. Moi, soit la Fira, fait un truc. Soit la Fira, il fait un truc. Soit faut que ça bouge. Moi, si je suis venu, c'est pour que ça bouge, moi. Faut que je lui dise à la Fira. Il est où, d'ailleurs? Il est parti où? Je pense qu'il paraît, il y avait un ABZ. Une position. Ah, il y est allé? Je sais pas. Attends, vas-y, on y va. Bien. C'est Ola, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je suis là, comme toi, sur cette plage. Essayer de se gratter les couilles. Faut croire que les grands esprits se rencontrent. Ils se rencontrent un peu trop. Ouais, c'est ça. T'aurais dû lâcher l'affaire, hein. Retourne chez ta mère, hein, moi, je te le dis. Hein. Ah, c'est ce que tu penses? Je pense. C'est ce qui Ah, tu te trompes, parce que si tu me vois en face de toi, c'est que je vais venir tout baiser. Tu vas venir tout baiser, toi? Ouais, moi, ouais, exactement. Moi, je dis juste que tu sortais plus rapidement que nous de JAV, hein. ça en vrai, il touche à mon point, c'est vrai que pas faux, pas faux. Mais non, c'est pas pour ça, c'est pas pour ce que tu penses, bâtard. C'est pas pour ça. Okay. C'est juste que moi j'avais plus une bonne langue, je parlais bien. Ouais. Ouais. En vrai, j'avais besoin de te parler d'un truc là.
parler de quoi? C'est Alain. Toujours une gueule. Ça va, Birgi, tu vas bien? Toi, t'as une gueule de con. Ça va, toi, Lucien? Malade? Bouffon. Hein? Tu es malade? Non, j'ai juste pris 2 seringues d'héro, donc je vais bien. C'est pour ça que je me disais aussi 2h du matin, c'est rare de te voir depuis 2 jours, je te connais, j'ai bien compris, hein. Ah, mon gars, il faut se mettre à l'envers, hein. Je vais en soirée après, moi. Moi, je vais dire un truc. Moi, je suis arrivé, Colina. On m'a dit, voilà, Colina, il y a des problèmes, machin et tout. Moi, je vais donner de tout mon cœur pour remonter les problèmes et niquer la mère à tout le monde. Il y a un truc. Depuis quand? Même toi, Birigi, soi-disant, tu es banni du LTD Colina et ainsi que la station essence. Qu'est-ce que tu racontes, toi? T'es une salope, en fait. Tu racontes, écoutes, là? Banni de quel LTD, lettre, là? Les barils même de ton quartier, je suis pas banni. Bon, calme-toi. Et moi, de base, c'est moi, je vous bannis. Écoute-moi. Je paniquais, j'ai pas d'accord. Tu te racontes, là. Disons, les barils au 18 revendiquent le LTD de la Colina et la station essence. Est-ce qu'il paraît tout le monde est banni? Donc moi, je suis au LTD. Moi, je suis au LTD Colina actuellement. Je te vois pas, je vois pas ta sale gueule. Moi, je suis pas là. Moi, je vais aller me coucher. Eh, mais tu sais quoi, ils viennent carrément de m'appeler, ils m'ont dit « Oui, alors notre LTD ne vend pas de peau, on a besoin pour faire de la droga, nanana. » Ils me demandent des conseils, alors me dis pas « Je suis banni de je sais pas quoi, hein. Moi carrément je suis le conseiller, moi. » Écoute, moi je te propose de ramener tes gars au LTD. Va pas dormir, ça y est, je vais passer le mot, t'inquiète pas, je suis en rendez-vous, mais eux ils vont venir. Quoi? Salope, tu vas dormir. J'arrive, je te tire dessus, alors là toi t'es mort. Vas-y, si t'as les couilles, vas-y. Je tire dans la station, tu vas voir, plus de marins. Deux jours ça aura duré. Vas-y, ramène-toi, vas-y. On va arriver. On le voit, tu vas pas lâcher le maillot. Non, j'ai toujours des flashbacks, toujours ces choses-là. En tout cas, on voit ceux qui sont attachés, ceux qui sont détachés, j'ai préférence à personne. Ah, moi je me suis détaché totalement. Je vais te le dire, ouais. Hein, moi je fais mes bises, il y a tout qui marche bien. Même si je pense que vous vivez trop dans le passé, tu vois. Et... En parlant de passé, justement. Quoi? Il se passe certaines choses actuellement qui me plaisent pas trop là. T'as lâché ta tenue ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai lâché ma tenue parce que... je vais pas rentrer dans les détails. Ça concerne, tu vois, moi, tu... C'est très bien, je suis pas dans le... J'ai pas le mal de parler des gens. C'est compliqué, là, Ouest, hein. C'est compliqué. Et moi, tu sais très bien, je suis pas un sureños, je suis pas un pointé à la base. Ouais. Nous, c'est la Chini Cycle à la base. Et moi, je leur ai dit, jour 1, j'en ai rien à foutre. Hein. S'il faut vous buter, je vous bute. Moi, je fais confiance à personne dans ce gang. Et bref, il y a des choses qui me plaisent pas. Et c'est pas encore fait, hein. C'est pas une proposition que je te fais. Je viens juste voir. Je viens tâter le terrain, savoir dans où toi tu te positionnes. C'est même pas une histoire de vouloir le faire. C'est même pas une histoire. Je veux juste savoir, toi actuellement, comment tu te places. Là, comment je me place dans quel monde et par rapport à quoi? Et ben. Soit parle franchement, s'il te plaît, parce que. Si moi, demain. Ouais. La pointe, ça ne colle plus. Ouais. Et que je reviens à rebâtir les Latin Disciples. Ouais. Est-ce que tu remettrais les crampons ou est-ce que tu resterais avec des traîtres? T'hésites. C'est pas... tu comprends que j'hésite. J'ai grandi avec vous, etc. Mais après, voilà, le truc, c'est que... De l'eau a coulé sous les ponts et surtout des actions se sont passées et des actions que je ne voulais pas. Si, mais après. Et faire machine arrière comme si c'était rien passé, c'est cette dernière année, c'est compliqué. Qui t'a dit qu'on serait leur ennemi? Tu sais que pour baiser quelqu'un, pour le matar, il faut être plus proche de lui. Il faut être son ami. Irving, si je veux une chance donc de lui faire la peau. Donc tu serais prêt à une discussion, là? Pourquoi pas, après une discussion avec Irving comme ça, tête à tête. Moi, je te le dis, c'est pas quelque chose d'officiel, c'est pas quelque chose qui risque de se passer. C'est même possible que cette discussion là on en parle et que moi ça me serve juste à me faire un avis sur toi, ta position. Moi je pêcherai l'idée, bien sûr, tu le sais très bien. Oui, mais Irving, moi je l'invite pas. Moi, ce que je veux, c'est que les lattes, si un jour je viens à me séparer de la pointe, tu sais très bien que je referai ce que j'ai fait avant. Chicago, comme je disais à la Fiera juste avant, plus c'est loin de moi,
mieux je me porte. Mais t'y retournes, regarde, la première idée que t'as eue, c'est quoi? Latin Disciple, t'y retournes à tes idées. Tu sais pourquoi j'y retourne? Pourquoi? J'y retourne parce que vous m'avez suivi, parce que Irving est là, parce que Oblock est là, que People et Folk vont s'affronter, et tu le sais très bien. Et que moi, je vais pas rester les bras croisés à dire guacamole, avocado, tacos, non. Moi, je grande suis... roue, grande roue. Grande roue, naturel, grande revient roue. Au galop. Donc, moi, je ne sais pas comment ça va se passer le futur avec la pointée. Il est possible que un jour, ça brise. Parce que je sens que la relation est fragile et que même si les pointés, j'ai encore le respect de rester avec eux pour ce qu'ils ont fait pour moi, moi, j'en ai rien à foutre de à la base. Moi, s'il faut faire mon truc sur le côté, je n'aurai aucune peine à le faire. Et c'est pas une question de flip side ou de non-confiance. Je leur ai dit dès le début, je leur ai dit, écoutez, moi, je ne suis pas un pointé. Donc moi, tout ce que je veux savoir, c'est est-ce que si un jour cela se produit, ce qui est peu probable, est-ce que tu me suivrais en tant que latino? Et, au jour d'aujourd'hui, là. Et prends bien Gustavo dans l'équation. Au jour d'aujourd'hui. Si. Si je te proposais ça maintenant, là. À l'instant T, je vais pas te mentir que... Non, suis-moi, pitié. Non. C'est ce que t'as devenu. Et tu sais très bien que nos relations vont au-delà de toi, tu vois. Par contre... sais bien, mais tu sais très bien que si je reforme les Latin Disciples, et même si je reste avec mes amis de la Puente, on va vouloir tuer Irving. Et si tu restes à 6 blocs, un jour ou l'autre, on va se tirer dessus. Hein. Ça ou non, tu sais très bien. Parlons pas de malheur. Tu penses pas justement que la solution, si un jour les Latin Disciples viennent à se reformer, serait que toi tu sois l'élément qui calme entre C-Block et Latin Disciple? Tu peux être là l'élément qui bloque, vu que dans tous les cas ça sera Folk, tu vois. Si. C'est vrai. Intégrer les Latin Disciple après tout ce qui s'est passé, après toutes les actions. T'as peur que surtout... je le dise à C-Block ou quoi, Solo? De quoi? J'ai déjà dit que là tu t'as peur vraiment que moi. Isaiah Villanueva Markley, tu penses que vraiment je vais aller dire à C-Block que tu m'as dit oui pour rejoindre Latin Disciple, que t'es un flipsider? Je suis le premier à venir te voir, à te dire qu'il est possible qu'un jour je me sépare de la pointée. Tu peux très bien aller le répéter à Juan et la Fiera, ça me coûtera la vie. Ouais, mais moi tu me connais. Toi, tes réactions, la cam que tu prends, tes choix, je sais pas. Si un jour, mal luné, tu peux tout foutre en l'air, arrête, tu vois. Arrête. Tu sais moi, tu sais que... Tu sais à combien de personnes je fais confiance dans ma vie, tu le sais très bien. Ça se compte sur les doigts d'une main. Et d'ailleurs, on m'en a enlevé un des doigts. Gustavo. Et je pense que toi, on te l'a enlevé aussi, ce doigt, mais apparemment, c'était ton petit doigt. Hein. Apparemment, le petit doigt, ça n'a aucune incidence sur ta prise en main d'une arme. Hein, apparemment, Gustavo n'est pas assez important. Hein, Gustavo est mort par Irving et les C-Block, mais toi... Tu les suis, hein, je te propose de reformer C-Block et toi, rien à foutre. Toi, tu restes avec eux. Il y a putain de 7 ans, tu comprends? Et alors, 7 ans, c'est long, 7 ans. Pendant que tu mangeais la putain de gamelle, pendant que je t'envoyais des mandats, etc. Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu des guerres, il y a eu des défaites, il y a eu des victoires. Il y a eu un putain de bordel. J'ai perdu des dizaines et des quinzaines de personnes. Donc, à un moment, je fais des choix qui font en sorte que j'avance. Ne crois pas que tu peux être en confiance avec ces Afro-Américaines. Les personnes avec qui tu traînes, s'ils savaient actuellement que tu es en discussion avec moi, s'ils savaient ce que tu es en train de dire, s'ils avaient entendu notre première discussion dans le parking la dernière fois, ils te tueraient. Ils n'auraient aucune peine parce que tu es un latino. Ils sont en communauté, même si vous êtes latino, afro, mélangé. Un jour ou l'autre, ça pètera. Et je te le dis, Saulo, c'est le moment de se mettre dans le bon camp parce que Irving, je l'aurai. Je vais le tuer. Et quand il va se passer ça, ça va exploser. Tu sais, c'est quoi le problème? Et c'est peut-être pour ça que je t'ai dit non. C'est que regarde, ton seul dessin là dans l'histoire, c'est tuer Irving. Tu vas remonter les Lightning Disciples pour tuer Irving.
Très bien. C'est il y a quoi? Hein? Il y a quoi qui m'importe à moi? Qu'est-ce que... OK, je vais venger Gustavo, il y a pas de galère. C'est ouais, pas qu'une histoire de Irving. Si les Latinistes et Peuple revoient le jour, c'est notre mouvement. Folk déjà. Importer les Latin Disciples de Chicago à LS, tu sais très bien que ça deviendra quelque chose de plus gros et que les boss seront fiers de nous déjà. Et hormis ça, on travaillera entre latinos, entre personnes qui se connaissent depuis l'époque des toboggans. Hein? Parce que s'il y a bien des personnes à qui tu peux faire confiance, c'est les personnes en face de toi. Je le sais très bien. Je le sais très bien. Et Saolo, oublie pas une chose. Tu sais très bien comment je, en quoi, tu sais très bien que je me suis éloigné de la Santa Muerte à l'époque. Et en prison, la seule chose que j'avais, c'était la prière. Ça, c'était la religion, la Santa Muerte. Et tu te souviens? Tu vois ce que j'ai autour du cou? Ouais. L'or. Dis pas que vous allez repartir dans les délires de canner des gars parce que, juste parce qu'ils ont une chaîne d'or. Ça, alors, toi, tu veux la merde, toi. Ça va bientôt commencer. Toute cette histoire, et crois-moi, Barrio, Dieci Ocho, la Mara Dieci Ocho, crois en la Santa Muerte. Et je pense qu'ils sont même plus assidus que moi à la prière, étant donné que je m'en fous un peu trop dans le nez et que souvent j'oublie. Toutes les personnes en dehors de la Colina n'auront pas le droit de porter de l'or. C'est vraiment ce que t'as envie, t'éloigner de la religion, alors que toi aussi tu crois en la Santa Muerte. Toi aussi, ou alors j'ai loupé une étape, mais toi aussi t'es un des nôtres. Si j'ai jamais eu peur de mourir, que j'ai jamais eu peur de prendre des décisions, c'est parce que j'y crois. Mais tu me déçois. Je suis sur Terre, pour l'instant. Pense à après. Ça arrive vite, hein. Irving qui vient toquer à ta porte et qui tirera derrière la porte comme il a pu faire à Gustavo. T'as commencé. On a commencé. J'ai commencé de rien du tout. On était en concurrence à Tocaville et c'est lui qui a drive-by. C'est lui qui a tué Gustavo et c'était visé. Tu le sais très bien parce qu'il lui a manqué de respect. Tu sais très bien que son daron t'est entré dans la tête. Ton comment on appelle ça, mec? Dis pas que c'est mon daron, c'est le sien, c'est pas le mien. Ton daron, c'est celui qui t'a fait grandir avec lui. Il t'a entré dans la tête. C'est tous les jours, tu me disais. Son daron, c'est un hijo et puta. Et il est bien où il est. J'aimerais te dire quelque chose. Ouais. Je suis prêt à mettre énormément de plata pour que son corps et son cercueil soient transférés à Los Santos et qu'il soit réenterré ici, qu'il repleure et qu'il ressente la peine que moi j'ai sentie. J'ai envie de le faire, j'ai envie d'économiser de la plata et de le faire et d'aller pisser sur sa tombe à cette héroïque puta. Il faut un jour sortir de ce délire. Hein. Vraiment. Solo, tu sais très bien que ça va nous suivre toute notre vie, arrête. Oui. Il faut un jour sortir du délire. Parce que là. En fait, tu me proposes des choses. J'aime bien cette trame, franchement, les gars, c'est la frappe. Mais je sais très bien que t'es rempli d'aigreur, rempli de haine. Tu penses pas. Je vais te le dire, hein, Benji derrière là. Si, il canne à cause de toi là. Qu'est-ce qui se passe? Juste à cause d'une vengeance qui a 7 ans, t'as pris 7 ans. Je me vengerai. Il ne cannera pas parce qu'on fera pas les mêmes erreurs qu'on a fait à l'époque. À l'époque, on était à Chicago, on se croyait. Tu sais, tu le connais ce sentiment à Chicago quand t'es quelqu'un. Tu te sens invincible. Parce qu'on est dans une matrice. On est dans une matrice. On est dans des films. On est dans une série Netflix. Et le problème, c'est qu'à Los Santos, c'est pas pareil. On fera pas les mêmes erreurs. Et Irving, j'ai remarqué qu'il agit de façon différente. Je le vois dans ce regard. Il est pas pareil. Bien sûr. Des responsabilités. Il doit penser à ses gars. Il doit penser à lui. Il doit penser à sa famille. Il doit penser à tout ça. Et il faut que toi aussi, tu penses à ça. T'as pris 7 ans, j'ai l'impression. Je revois la même personne qui a 7 ans. Je crois que t'as oublié quelque chose. Il faut que je pense à ma famille. J'ai de la famille, moi. Benji, c'est pas ta famille. Benji, c'est pas ta famille. C'est le seul qui me reste, à vrai dire. Parce que toi, après la proposition que tu vas de refuser, je considère que t'en fais plus partie. N'utilise pas des termes et des mots que tu vas regretter quand tu vas partir. Il me reste que Benji. Ok. Et donc, j'ai de la famille, moi? J'ai personne, j'ai même pas connu mes parents. Enfin, je les ai connus, mais je m'en souviens pas, à vrai dire. Je ne sais même pas où ils sont.
Irving, c'était ma seule famille. On aurait pu faire quelque chose de grand. Si Block, ça aurait pu être nous, tous ensemble, folle. C'est pas fini, c'est possible encore. Attends, tu penses que moi, je vais aller à Ciblock un jour? J'ai tué son père, Saulo. C'est encore pire que d'avoir tué Gustavo. Il a tué Gustavo. Et je ne le pardonnerai jamais comme moi, il me le pardonnera jamais. Donc dans tous les cas, c'est lui qui a commencé avec Gustavo. Et je te le dis, hein, des gens qui ont tué des gens, etc. Moi, j'étais en face et pourtant, je suis dans leur camp. J'étais en face. Hein. Donc, il y a toujours une possibilité. Il y a tout. Oui, parce que toi, t'étais en prison. Moi, j'ai pas fait péter une voiture. Je me suis mis bien en dehors de ça, je te l'avais dit. Donc, possiblement, il y a un monde où on crée ce qu'on devait créer. On grandit comme on doit grandir. Parce que je vais te le dire, hein, moi, là, ce que je remarque, c'est juste... On est tous des... On va se le dire, hein, on est tous des enfants de Chicago. Ici, là. Si. Tous des enfants de Chirac, tu vois. On a tout fait. Ouais. On a encore envie, à nos âges. Hein. Les gars, je crois que je commence à kiffer ce perso de fou. Je crois que c'est mon premier perso latino banger. OMG. Dans un monde austère, là. On assiste à une grande chose, là. Depuis quand, nous, on doit respecter des familles, des cartels, des je sais pas quoi? On a connu ça, nous, à Chicago? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Le background est trop fou. Il y avait les deux OG, que ça soit Tuka. Vraiment, l'idée qu'on a eue. Il distribuait la cam, tu gérais ta rue et point barre. Venez pas te casser les couilles. Ça marche pas comme ça ici, tu le sais très bien, la Californie. Eh ben ça me casse les couilles, moi. Ça me casse les couilles. C'est bien pour ça qu'on pourrait renverser des montagnes. C'est pour ça qu'il faut marcher ensemble. Petit à petit. Tu penses que c'est possible une réconciliation entre Beridji et Irving? Ils pensent que. Qu'on est des. Franchement, j'étais en train de réfléchir à un scénario dans ma tête. Je me disais, imagine un jour on se réconcilie. La mentalité des pointés, c'est la mentalité de la West. Je pense impossible. Mais on sait pas. Un peu plus exagéré. Ouais, ben c'est bien ça le problème. On a pas ras le cul de te faire de devoir cirer des culs, hein. Faire des discutes avec eux et ils te disent ouais, j'ai pas envie que tu me tutoies. Vous vois moi. Ouais, j'en ai ras le cul, ouais. J'en ai ras le cul et c'est bien pour ça que on a moyen de prendre le contrôle de toute une partie de la vie. C'est bien pour ça que je réfléchis, Saulo. Mais là tu m'as donné la réponse sous le coup du jour d'aujourd'hui. Mais réfléchis bien à la proposition que je t'ai fait. Réfléchis bien. Et toi, réfléchis aux possibilités. Moi, tu le sais très bien, je suis beaucoup trop instable et tu sais très bien que je suis incontrôlable et que je ne serai jamais d'avis à recoller les morceaux avec ces personnes. Sache que la seule probabilité que un jour on ne se vise pas avec un gun, c'est les Latin Disciples. Et réfléchis bien à cette possibilité, parce que le jour où Ciblock, ils vont te la mettre à l'envers, tu m'appelleras et tu diras Beridji, t'as eu raison. Donc réfléchis. Là, je comprends que dans l'instant T, ils ont fait leurs preuves, ils ont fait des choses avec toi, ouais. Tu leur fais confiance. Mais crois-moi que le premier coup qu'ils vont te faire à l'envers, tu vas y réfléchir à tout ce qu'on aurait pu faire ensemble. Encore une mallette. Je te dis pas de me dire oui et que ça va se regarde, tu viens de me le dire à l'instant. Je suis instable, je suis ceci, je suis ça. Tu donnes les réponses toi-même. Tu sais pourquoi ça veut pas dire qu'on sait pas gérer du biz. Tu sais très bien, par exemple avec la Fiera, par exemple, actuellement, on est complémentaires. C'est la parole, c'est le cerveau et moi je suis les bras. Et toi, tu sais très bien que ça. Fiera, tu suivrais déjà? Non. C'est un sureños. Il me suivra jamais. Ce sera mon ennemi à ce moment-là. Juste parce que je porte pas leur putain de chaîne de la Puente, là, actuellement, il me baratine. Moi, je lui ai dit. Tu veux juste troquer. En fait, j'ai compris, tu veux troquer la Fiera, le sage, avec moi, le sage. Si non, jour, non, je veux juste une personne de confiance. Moi, en fait, tu sais pourquoi je fais ça? Dans l'instant T, je n'ai pas l'ambition de remettre les Latin Disciples sur pattes. Je veux juste savoir si je peux compter sur toi. Ouais, exactement. Je veux savoir si t'as encore le cul entre deux chaises, ou alors si t'es de notre côté, ou si t'es totalement du leur. Et là, tu m'as donné réponse à ce que je pensais. T'es plus des nôtres, en fait. T'es plus un latino. Toi qui es plus des nôtres. Ah, je suis plus des vôtres. C'est toi qui es plus folk. J'ai jamais voulu être des vôtres, hein, sache-le. T'es plus folk, c'est toi. T'as rejoint les gens qui ont rien à voir avec nous. Tu suis plus folk, je suis quoi, non? Fais attention à ce que tu vas dire. T'es un pointé. Donc. J'ai eu peur, quand ça a commencé par un P, tu vois, j'ai eu vraiment peur de ce que t'allais dire. Je vais pas le dire, je vais pas dire ça. Mais si un jour on vient les définir comme ça, tu en seras.
Ne mélange pas avec ces hijo et puta au bloc. Le jour où, face à moi, tu me diras que je suis un people, c'est vraiment que t'as rien compris à qui je suis depuis le début, en fait. Donc certes, aujourd'hui, je suis une pointée, parce que, après tout ce qu'ils ont fait, je suis sorti, hein. Sache que là, j'ai tué des hommes en prison, encore. J'étais censé prendre la chaise électrique, j'étais censé me prendre une injection létale, j'étais censé finir mes jours en prison. Grâce à eux, je suis dehors et je vais pouvoir me venger envers Irving. Mais sache une chose, moi je voulais juste savoir si j'avais encore quelqu'un sur qui compter en dehors de... Mais tu sais que tu peux compter sur moi, mais le seul truc c'est que comme tu viens de le dire, tu viens de passer 7 ans en prison, t'as dû jongler avec ce que t'as pu, t'as dû faire allégeance à certaines personnes. Eh ben, c'est exactement la même chose pour moi. J'ai dû tuer les personnes, certaines personnes. J'ai dû mettre fin à certaines relations pour avancer. Pourquoi ? Parce que je me suis retrouvé dans une bataille fratricide entre deux mecs qui normalement avaient tout pour être, pour tout baiser ensemble, d'accord ? Donc moi, j'ai pris quoi ? J'ai pris mes deux grosses rojones, tu vois, les que j'ai là, et j'ai avancé, et je me suis dit, je compte plus sur personne. J'avance, je prends la tête. Et là où je suis une tête. Le blanc et le noir ne se mélangent pas. Autant que l'eau et l'huile, ou autant que le... que n'importe qui, que l'afro ne s'associe pas au latino. Il permet de garder un équilibre, on va dire que je suis la ligne entre les deux. Irving et les Ciblocs, jamais, au grand jamais, je ne leur ferai confiance, sache-le. Maintenant, réfléchis bien à ce que je t'ai dit. Et... j'avais juste besoin de savoir si je pouvais encore compter sur toi pour... pour créer quelque chose de fort. Et peu importe ce que tu penses, tu peux compter sur moi. Peu importe, hein. Vraiment, peu importe ce que tu penses. Ouais, on verra bien. Hasta luego. Hasta luego. Pense aux possibilités. Ne reste pas au milieu de ces saccagés de merde là qui sont les pointés. Vas-y, on se barre, Berry. J'en étais sûr. C'est une discussion qui tourne en rond. Putain, ils l'ont eu, hein. C'est ça qui me rend triste, c'est qu'ils l'ont eu. C'est qu'une question de temps, moi, que son cerveau il tourne. C'est qu'une question de temps. Non, mais quand il va se prendre un coup de traître comme nous, on vient de se prendre, il va comprendre que... Il va comprendre que, en fait, Latin Disciple et les mecs comme nous qui connaît depuis l'enfance, c'est les seules personnes à qui il peut faire confiance. Et il veut pas le comprendre, il pense que seulement